Yo les gars, yo les frérots, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On est parti pour un nouveau live réac ce soir, très très gros match les gars, on approche un choc entre l'Espagne et l'Italie, tous les deux vainqueurs de leur premier match. L'Espagne qui a quand même mis 3-0 à la Croatie et l'Italie qui a remporté difficilement, mais qui a remporté quand même son match d'ouverture face à l'Albanie 2 buts à 1. Après avoir été mené au score au bout de seulement 20 secondes de jeu. Donc là, c'est entre guillemets la finale pour la qualif. Le vainqueur de ce match sera d'ores et déjà qualifié. Étant donné en plus que la Croatie n'a pu faire mieux que match nul face à l'Albanie. Choc, très gros choc. Vraiment le match pour l'instant, voilà, le premier match entre deux vainqueurs de leur premier match. Donc on va voir ce qui va se passer. Les matchs du jour, il y a eu un partout entre la Slovénie et la Serbie et un partout entre le Danemark et l'Angleterre. Donc assez surprenant. J'ai moi aussi. Salut à toi Moulfrit, j'espère que tu vas bien. Moi aussi j'ai quasiment tout faux. Péno, j'avais mis oui, il n'y a pas eu. Bellingham, j'ai mis. Le seul truc que j'ai eu bon, c'est l'Angleterre qui ouvre le score. C'est la seule cote que j'ai réussi à passer, sinon j'ai absolument rien passé. Ok. Du coup, yo madame Albox, moi aussi pareil, on est dans la merde. Hein. Bon là, Espagne, j'ai mis Morata plus que Scamacca, j'ai mis Yamal décisive et j'ai mis l'Espagne vainqueur. Donc on va voir ce qui va se passer. Et ça serait bien qu'il y ait un péno dans le match, hein, du coup. Donc les hymnes sont terminés, on va regarder en rapide avant le coup d'envoi les deux compositions des équipes. Unai Simon sera le gardien de la sélection espagnole, Dani Carvajal, Robin Lenormand, Emeric Laporte. Donc Laporte qui sera titulaire à la place de Nacho Fernandez. Bon, Laporte c'est le titulaire habituel, c'est pas surprenant. Cucurella encore une fois aligné en tant que latéral gauche. C'est vrai qu'on préférerait voir un mec comme Grimaldo. Ma foi, bon, c'est Cucurella, c'est pas grave. Trio au milieu de terrain, Rodri, Pedri, Fabian Ruiz. On a vu le niveau de Fabian Ruiz au premier match, ça a été tout simplement le meilleur. On verra si il va réitérer l'exploit aujourd'hui en étant aussi performant. Accompagné de Rodri et Pedri. S'il maintient ce niveau-là, ça peut en tout cas être très intéressant. Devant Nico Williams, Alvaro Morata et le jeune crack Lamine Yamal. De la percussion encore sur les couloirs. Composition italienne. Donnarumma au cage, Di Lorenzo à droite, Bastoni, Calafiori, Di Marco, Jorginho, Barella, Chiesa, Fratesi, Pellegrini et Scamacca. Pas de surprise côté italien, on a mis la même équipe. Et côté espagnol, le seul changement, c'est Emeric Laporte, du coup, comme je l'ai dit, à la place de Nacho Fernandez. J'espère en tout cas qu'on va vivre un beau match. Moi, je m'attends, en tout cas, je l'espère, à un beau match. Il n'y a pas de raison. On a deux belles équipes. On a deux équipes qui ont gagné leur premier match. Donc, normalement, on devrait passer une excellente soirée. Donc, la dernière fois que j'avais réac l'Espagne, mes hommes du match, ça avait été Fabian Ruiz, Yamal et Pedri. On va voir aujourd'hui ce que ça va donner, les mecs. Moi, en tout cas, j'ai mis Espagne hein, dans les pronos Mada. Je vais l'épingler, comme d'habitude, le point d'exclamation Omada. N'hésitez pas à rejoindre les frérots, la Ligue Omada, qui est très, très disputée, qui est pas simple. Il y a, avec les scores un peu. Voilà. Genre aujourd'hui, je pense que personne n'avait mis nul, par exemple, Angleterre-Danemark. Par contre, s'il y en a vraiment un, imaginons, qui a eu de la chatte et qui avait mis nul, ah bah il s'est mis bien, quoi. Il y avait des cotes à passer, c'est assez fou quand même. Hein. Mais le nul entre Mitrovic et Sesko, ça, il y en a qui ont dû le faire. Moi d'ailleurs, j'avais longuement hésité. Hein. Les gars, je suis hype. Je sais pas vous, mais moi je suis hype par le match. Hein. Petite pub d'avant-match. Et on va tranquillement se diriger sur cette affiche, sur ce choc. Parce que là, oui, c'est un choc entre deux grosses nations. Je vais mettre un petit tweet, les gars. Toc. Ah, petite minute de silence, les gars. Le temps que je mette mon tweet.
Fin de la pub, vamos. Gros match ce soir, Espagne-Italie. On est hype ou pas, les gars? Moi, je suis hype en tout cas. Je sais pas vous, mais moi, vraiment, je suis hype. Voilà, petit tweet les gars. That's good. Bon match à tous en tout cas. Et puis passons une bonne soirée, j'espère. C'est vraiment un choc. Et voilà, perso, évidemment, je serai pour l'Espagne. J'aurais presque dû mettre le maillot, les gars. Je pense, allez, je vais aller le mettre vite fait. Je vous mets le tracker. 3, 2, 1. Go! Bon match à tous, c'est parti les gars, le coup d'envoi. Possession, ouais tant pis. Possession italienne. Le long ballon direct sur le côté de Cucurella qui intercepte ce ballon, ça sera une touche. On le rappelle, hein, les Italiens sont tenants du titre. Ils sont champions d'Europe. C'est eux qui l'ont remporté il y a 4 ans. Donc voilà, sont tenants du titre. Donc la pression qui va avec, entre guillemets. Au passage, demain, Pays-Bas-France, les gars. Hein, très très gros match aussi. Du même genre que ce match-là, hein. Deux équipes qui ont gagné leur premier match, France-Pays-Bas, et une place directement, une place qualificative, quoi. Curieux de voir, en tout cas, le match qu'on va voir. Fais-nous un striptease. Ah, vas-y, un arrêt de jeu, je vais mettre, j'arrive. Magnifique! Alors attendez, je vous ai pas activé l'ambiance. À chaque fois, j'oublie un truc. Hop, c'est bon. Allez, Fabian Ruiz qui va décaler sur le côté. Cucurella. Cucurella qui va trouver Nico Williams. Nico Williams qui était un petit peu timide lors du premier match. On en attend un petit peu plus. Le débordement, le centre, il a réussi. Oh, la tête de Pedri! La claquette de Donnarumma! Oh, Pedri a fait ouvrir le score. Super travail de Nico Williams sur le côté. Il va bien travailler. Le centre-pied gauche est précis et Pedri à bout portant qui met une tête malheureusement un petit peu trop sur Donnarumma. Ouais, bel arrêt réflexe en tout cas. Première grosse action après 1 minute 42 de jeu. On voit Jorginho qui se trouve. Mais ouais, Donnarumma sur sa ligne, on le connaît. Il est très très bon et là il fait vraiment une belle parade. Très très bel arrêt de la part du portier parisien. Lamine Yamal qui va tricoter sur le côté. Il est face à deux Italiens. Il va ressortir avec Nico Williams. Le centre Nico Williams dans la boîte, la tête. De Bastoni pour l'aîné de Jean G. Attention, les Italiens contre. Et bonne interception de Pedri. En tout cas, grosse action dès le début. Belle action, beau mouvement de la part de Nico Williams. Je répète qu'il avait été un peu timide lors du match contre la Croatie. Là, en tout cas, il a fait une belle différence sur le côté face à Di Lorenzo. Il a amené un très bon centre. Pedri qui a failli marquer de la tête, les gars. Hein. C'est pas commun. Je vous avoue que j'aurais vibré. Hein. Tentative de 1-2 entre les Italiens et Carvajal intelligemment qui se fait accrocher et qui tombe. Faute de Pellegrini, petite faute de Pellegrini. J'aime beaucoup le maillot de l'Espagne comme souvent, mais le maillot extérieur d'Italie, il est chouette aussi, hein. J'aime beaucoup le maillot extérieur de l'Italie. Allez, Rodri qui ressort avec Robin Lenormand, Aymeric Laporte. Deux franco-espagnols, hein, on le rappelle, ils ont été naturalisés espagnols. Mais ils étaient français au départ. Oh, Nico Williams, encore une fois, il est passé face à Di Lorenzo. Le crochet derrière, oh là là. Le troisième, le troisième. Quel travail de Nico Williams, malheureusement. Le crochet était un peu long. Oh, la différence qu'il a fait sur ce côté-là. En 3 minutes, il est en train de nous montrer toutes ses qualités, le jeune ailier espagnol. Lamine Yamal qui va essayer de faire pareil de l'autre côté face à Di Marco. La passe intérieure pour Pedri et le bon retour de Barella. Jaillissement de Calafiori, c'est récupéré par Robin Lenormand, puis par Rodri. Gros début de match en tout cas des Espagnols et très gros début de match surtout de la part de Nico Williams. Ouais, demain bah, je le mettrai dans le live du matin FIFA. Je mettrai anniversaire. Stream d'anniversaire demain matin. Allez, Rodri, la bonne passe pour Alvaro Morata, capitaine ce soir. Du coup, il était sorti. On craignait une blessure, mais il est bien là ce soir. Lamine Yamal face à Di Marco, il va aller travailler. Le jeune prodige, le centre-pied droit, c'est pas son bon pied, c'est un peu court. Dégagement de Califiori, Di Marco qui trouve Barella dans l'axe. Et bonne passe de Barella pour aller trouver Scamacca qui obtient la faute. Petite faute d'Emeric Laporte. Scamacca, le très physique attaquant
de l'Atalanta, qui là, ouais, c'est bien battu et obtient cette faute. Ah non, c'est Bastoni qui s'est fait enrhumer, hein. C'est Bastoni, hein. Oh, je croyais que c'était Di Lorenzo. Ouais, mais là, eh. En vrai, ce qu'a fait Nico Williams, c'est dommage que ça concrétise pas parce que c'était vraiment beau. Robin Lenormand, la mauvaise relance est récupérée par Nicolas Barella qui va orienter avec Di Marco, l'excellent piston de l'Inter Milan. Barella, Bastoni qui va trouver Di Lorenzo, le Napolitain, champion d'Italie il y a 2 ans, on le rappelle. Enfin, pas cette saison, mais la saison d'avant, quoi. Hein. Et gros pressing des Espagnols, hein, comme contre la Croatie, on les voit, ils vont vraiment chercher très très haut. Regardez, là, Di Lorenzo, il n'a pas le temps de se retourner. Elle est bien joué quand même la sortie de balle de la part des Italiens. Et le bon ballon sur le côté. Et la bonne interception de Cucurella. Rodri. Fabian Ruiz qui va de l'avant. Le passement de jambe. Changement de couloir. On va aller côté droit avec Carvajal. Lamine Yamal. Possession espagnole, évidemment. Fabian Ruiz. Ouais, le long ballon de Fabian. Ça manque de précision. Et c'est intercepté par Di Marco qui sert tranquillement Gigio Donnarumma. Les Espagnols qui restent très très haut. Malgré tout, on relance à terre. Côté italien. Calafiori pour Barella. La très bonne passe de Barella. Non, c'est intercepté. Très bonne interception de la part d'Emeric Laporte. Les Espagnols qui récupèrent très très haut. Pedri qui est trouvé dans l'intervalle. Pedri, le petit crochet, il se retourne sur lui-même. On dirait Xavi quand il fait ça. Il est déséquilibré. Il va quand même décaler Lamine Yamal sur le côté. Oh, il est sanctionné. Il est sanctionné. Ouais, il fait une passe en taclant, il touche. Il est sanctionné, c'est un peu sévère. Même si oui, il y a le geste quand même sur la jambe. Il fait mal à Pellegrini. Après, il peut quand même lui faire mal, je suis d'accord quand même. Même si c'est totalement involontaire, sans faisant une passe, c'est vrai qu'il peut quand même lui faire mal. On va pas se mentir. Ouais, il y a quand même le pied assez haut. Tu veux pas faire la même coupe que Cucurella? Ah, il faudrait des années de pouce, hein. Non, quoi qu'en vrai, des années, j'abuse. Vu comme ça pousse, la vie de moi, je pense qu'on est 1 an. Non, en vrai, j'abuse. Peut-être pas 1 an. Un peu plus quand même. Non, en vrai, ça, je pèterais un câble. Moi, déjà, dès que mes cheveux commencent à aller sur mes oreilles, ça me saoule. Je pourrais pas. Par les cheveux longs, ça peut être un style, tu vois, mais Cucurella, bon. En mode Cucurella. Et puis dire qu'il est. Oh, il y a Grimaldo quoi. Tu te rends compte qu'il est quand même titulaire à la place de Grimaldo. Hein. C'est une folie. Comment il va, Fraudevert? Avec Pellegrini qui. Il y a Cristente qui part à l'échauffement. Bah, je pense qu'il va revenir. Hein. Bah, j'aime bien le maillot extérieur de l'Italie. J'aime bien le style. Le dégagement de Di Giordano. Tête de Laporte, tête de Pedri. Morata qui perd son duel face à Califiori. Gros pressing des Espagnols pour récupérer rapidement le ballon. Fratesi, prise à deux sur Fratesi. Il arrive à s'en sortir. Et la petite faute de Cucurella sur Fratesi, bien obtenue de la part de l'Italien. Il était serré sur ce côté. Il a réussi à se retourner et il obtient cette faute intelligemment. Et la faute naïve de la part de Cucurella qui vient l'accrocher au tendon d'Achille, au mollet. Barrella, la remise en retrait. Regardez le pressing des Espagnols qui jaillissent très très vite. Dès le contrôle, en fait, il y a direct un Espagnol sur un Italien. Rodri qui récupère. Oh, encore une faute. Putain, là, ils s'en sortent bien. Et là, ils s'en sortent bien. J'ai pas vu sur Fratesi. Est-ce qu'il y a faute? Oui, il y a faute. Oui, il y a faute de Laporte qui le retient. Non, là, il est. Évidemment, il y a faute. C'est pas malin parce que le ballon était récupéré derrière. Faute un peu bête d'Emeric Laporte, qui attention, ça c'est une des fautes qui peuvent amener des cartons jaunes. Il a voulu l'empêcher de partir en profondeur, il l'a un peu trop accroché. Di Lorenzo, le bon ballon pied gauche, il trouve. Oh, la déviation de la tête, elle est magnifique!
Scamacca dans la surface de réparation, la talonnade, elle manque de précision, la bonne couverture de Rodri. Ah, c'était bien joué en tout cas, la tête en profondeur et l'intelligence de Rodri qui obtient la faute sur Federico Chiesa. Ça pleut des trombes chez moi, c'est vrai? T'es où toi du coup? Parce que nous ça va, il y a des gros nuages depuis tout à l'heure, il y a eu une petite averse. Mais pour l'instant, on est épargné, il n'y a pas de pluie. Hier, il a fait très chaud par contre, ça fait très beau et très chaud. Mais là, ouais, ça se voit, c'est des nuages un peu d'orage. Je sais pas si ça va tomber cette nuit. Clermont-Ferrand, ma biche. Ok. Supporter de Clermont, du coup. Oh, la tête de Morata pour Pedri. Pedri qui fixe dans l'axe. Attention, il a des appels. Il va décaler sur le côté gauche Alvaro Morata. Morata, le centre. La tête de Nico Williams. Ça passe pas loin. Ah, il peut mieux faire, je pense. Oh, si c'est l'inverse, c'est but, hein. Si c'est Nico Williams qui fait le centre pour Morata, c'est au fond. Ah, il doit marquer. Il n'a pas le droit de rater. La vérité, il n'a pas le droit de rater. Non, ça t'étonne. Clairement, c'est une ville de rugby de base. Dak. Franchement, les gars, Nico Williams, il doit la mettre. Il fait un très bon début de match, l'ailier de Bilbao, mais il doit la mettre au fond. Comment tu peux ne même pas la cadrer? Après, c'est pas un joueur de tête. C'est un ailier. D'habitude, il n'est pas dans cette zone-là. Genre, c'est pas son style de jeu de récupérer des ballons de la tête. Mais on est d'accord, il doit la mettre au fond. Mais comme je dis, hein, si c'est l'inverse, c'est but, hein. Si c'est Nico Williams qui fait le centre à Morata, c'est au fond, hein. Et bonne interception encore de Cucurella. Il fait un bon début de match, hein. Il fait des bonnes interceptions, là. Nico Williams qui fait un excellent début de match, lui. Hein. Alors, il va encore. Oh là là, il est passé encore une fois, mais il met le feu sur son couloir. Nico Williams, deux Italiens, il va temporiser. Fabian Ruiz, Rodri, Fabian Ruiz encore. Quel début de match de Nico. Contrôle, dos au jeu. Cucurella qui va ressortir. C'est pas un joueur de tête, mais il est devant le point de péno. Non, mais en vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Il doit la mettre au fond. Ça reste un attaquant. Ça reste un attaquant. Il doit la mettre au fond. Encore, il la met mal. Il doit la cadrer. Encore, s'il y a une parade de. Toi, c'est comme Pedri. C'est pas un joueur de tête. Il a quand même mis une belle petite tête, tu vois. Là, vu la trajectoire, elle est peut-être pas simple. Mais s'il la cadre, après, c'est but. Mais on est d'accord, il doit la mettre. Il doit la mettre au fond. Oh, Scamacca, là, ouais, une petite faute. Scamacca, il est en train de dire à l'arbitre, fallait laisser l'avantage. Ils ont le ballon. Là, il met quand même une faute. Début de match très rugueux, hein. Il y a beaucoup de fautes quand même. Hein. Les Espagnols ont commis quelques fautes. Et là, Scamacca, vraiment. Scamacca, c'est limite. Hein. Ça ressemble à une faute de frustration. Et on revoit le centre. Et la tête de Nico, c'est terrible qu'il ne la mette pas. Hein. Déjà, franchement, c'est mal défendu. On connaît normalement la défense italienne. Ce genre de ballon, ils sont censés être au contact. Et là, ils y sont absolument pas. Ça saute, mais ça ne prend pas le ballon. Bastoni se fait lober par la trajectoire. Très très bon centre en tout cas d'Alvaro Morata. Mais clairement il doit la mettre au fond. Il doit concrétiser une action pareille. Allez, rebat le Normand. Pressing également des Italiens. Les deux équipes en tout cas veulent récupérer le ballon très très haut. Morata face à Bastoni. Oh bien joué. Excellent travail de la part d'Alvaro Morata qui va avoir le contre-favorable. Rodri, magnifique. Il va lancer en profondeur Nico Williams en un contre un. Attention, il fait que des différences depuis le début du match. Il va arriver lancer face à deux Italiens. Premier crochet, le deuxième. Il attend le dédoublement de Cucurella, il va le servir. Le bon centre de Cucurella au deuxième poteau. Lamine Yamal. Ah, le contrôle était impossible. Ça va être récupéré par Pellegrini. Protection de balle pour éviter le pressing du Barcelonais. Ah, très très bien joué, il va envoyer Nicolò Barella. Barella qui va prendre de la vitesse. Il a le dédoublement de son coéquipier de l'Inter, Di Marco. Il va le servir. Le pied gauche, le centre, il est précis. Bonne intervention d'Emeric Laporte. Ça va être quand même récupéré par Barella. Face à Pedri. Et Barella qui s'en sort, il ressort proprement avec Califiori. J'adore le début de match, les gars. J'espère que William, c'est un masque à oxygène. Mais là, ce qu'il est en train de faire pour l'instant, c'est intéressant parce que contre la Croatie, on l'avait pas beaucoup vu, on avait beaucoup plus vu Lamine Yamal. Ben là, pour l'instant, on n'a pas vu encore Yamal, c'est Nico Williams qu'on voit. Hein. Jorginho, seul, il va tenter la passe. Je pense qu'il est hors-jeu, Scamacca. Hein. Très bonne passe de Jorginho, mais je pense que Scamacca était hors-jeu. Très bon retour de Laporte. Rodri qui repart. Très gros premier quart d'heure. Hein, perso, je me régale. Fabian Ruiz. Rodri. Rodri qui a du temps. Il n'est pas pressé. Il va rejouer avec son défenseur central. Emeric Laporte. Rodri encore. Robin le Normand. La porte. Et là, ils pressent moins, les Italiens. Ils sont vraiment à l'arrêt là-dessus. Nico Williams qui est trouvé. Et bonne intervention de la part de Di Lorenzo. Il y a, semble-t-il, un contact. C'est
C'est pas sanctionné. Pedri qui trouve là. Oh, Alvaro Morata, c'est contré. Ouais, là, il arrête le jeu. Parce que je pense qu'il a dû avoir un choc involontaire, mais il y a peut-être eu un choc sur le visage de Di Lorenzo. Ouais. Après, il a bien fait de pas siffler parce que les deux se tamponnent. Il n'y a pas faute. Hein. Il n'y a pas faute de Nico Williams. Hein. C'est juste Di Lorenzo qui met son visage. Ah. Donna, qu'est-ce qu'il dit? Il a pris carton jaune Donnarumma alors que c'est le capitaine. Les gars, c'est pas une dinguerie? On sait que pendant l'Euro, les joueurs ne doivent pas aller parler à l'arbitre, mais Donnarumma, c'est le capitaine. Alors, je pense qu'il a dû dire des dingueries, on connaît les Italiens. S'il a pris jaune, c'est qu'il a dû dire des dingueries. Ouais, j'ai vu... Enfin, non, j'ai pas vu. J'ai vu sur Romada, ils ont mis le masque. Ils ont mis un masque au couloir de l'équipe de France, mais j'ai pas vu le masque de Mbappé, officiellement. Après, l'arbitre a bien fait de pas siffler, il n'y avait pas faute. Hein. Les deux se sont tamponnés. Il n'y a jamais faute. Voilà, et c'est juste Di Lorenzo qui tamponne de mauvais côté. Ouais, Pedri, il met une passe compliquée pour Lamine Yamal. Récupération italienne. Mort de rire, son masque, il est bleu, blanc, rouge avec ses initiales. Ah ouais? Donc, c'est le truc qu'ils ont mis sur Romada, au final. Parce que sur Romada, ils l'ont mis. Je pensais que c'était pas ça, tu vois. Bon, au final, c'est ça. Oh, bien joué, ça. Barella qui est tout seul dans le milieu. Il a été trouvé. Il va aller servir Fratesi. Fratesi qui a du chance. C'est un 3 contre 3 négocié pour les Italiens. Crochet. Ah, il a ralenti l'action. C'est dommage. Il y avait vraiment quelque chose à faire côté italien. Ça va devenir un objet de mode. Ah, bah là, ça va nous faire planer. Hein. On va le voir avec ça, les gars. Je pense qu'on va se régaler. Di Lorenzo, interception de Rodri. Fabian Ruiz qui va trouver Alvaro Morata. J'aime beaucoup aussi ce que propose Morata pour l'instant, même s'il a hyper le ballon. C'est très intéressant ce qu'il nous fait le capitaine espagnol. Jorginho. Di Lorenzo, Jorginho. Ah, il a tenté la profondeur pour Scamacca. Interception de Laporte tranquillement pour Fabian Ruiz. Ah, le bon crochet de Fabian Ruiz, le deuxième, pour se défaire du pressing de Fratesi. Rodri qui va orienter. Pour Dani Carvajal. Accroché intérieur de Carvajal. On retrouve Rodri. La plaque tournante de cette équipe espagnole. Le Citizen. L'homme fort de Pep Guardiola. Le meilleur à son poste. Hein. Il n'y a pas d'autre terme. Robin le Normand. Emeric Laporte qui gagne du terrain dans le camp italien. Il n'est pas pressé. Il va trouver Cucurella, le latéral gauche. Qui va revenir avec Emeric Laporte. Rodri. Les Italiens sont beaucoup plus bas qu'au début de match. Ils ont pressé pendant 10 minutes et là, ils sont un peu plus bas. Lamine Yamal face à Di Marco. Il va aller travailler. Carvajal. Rodri. Le Normand. Ah, là, ils sont très bas, les Italiens. Ils ont compris que c'était compliqué, entre guillemets, et ils ont, après 10 premières minutes où ils ont vraiment été hauts, là ils sont plus bas. Oh, la roulette de Yamal. Il a retrouvé Dani Carvajal. La porte avec Cucurella. Il trouve dans l'intervalle Alvaro Morata. Très bon jaillissement de Califiori. Oh, il y a faute, je suis pas sûr qu'il y ait faute. Alors, est-ce que... Ah, il dit tirage de maillot. C'est très léger en tout cas. Hein. Je pense que le Morata s'en sort bien. Rodri. Pour Nico Williams. Allez Nico, montre-nous. Rodri. Bienvenue à ceux qui arrivent hein, les gars. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Je rappelle, demain il y aura deux streams les gars. Demain c'est mon anniversaire. Il y aura un stream le matin sur FIFA. Et un stream l'après-midi, le soir. Sur le match Pays-Bas-France. Nos petits Français qui vont jouer leur deuxième match de poule. Face aux Néerlandais. Rodri. Pedri. Fabian Ruiz avec Carvajal qui trouve Pedri dans l'intervalle. Pedri, le petit crochet intérieur. Carvajal. Fabian. On voit Pedri qui se met beaucoup entre les lignes. Il est clairement plus haut que ses deux compères du milieu. C'est là où il est le plus intéressant. Si tu arrives à le trouver entre les lignes et qu'il peut se retourner, derrière ça peut faire mal. Le Normand avec Fabian Ruiz. Ah, il était pressé, il perd le ballon. Califiori qui a loupé sa relance et tout de suite récupéré par les Espagnols. Carvajal.
pour Pedri. Pedri qui a du champ. Il va travailler, il va fixer dans l'axe. Pedri, Fabian Ruiz, pour Rodri. Koukouré là, qui va jusqu'à Nico Williams. Il y a une prise à deux, hein, Nico Williams qui va accélérer le long de la ligne. Oh, il est passé encore, Nico Williams, quel travail! Ah, il a tenté de servir Pedri en retrait, le centre de Koukouré là. Tacle défensive, Scamacca au jeu. Ah, c'est dur, hein. Il a trouvé quand même Federico Chiesa et la bonne défense de Koukouré là. C'est dur pour les Italiens, mais ils arrivent quand même à bonifier certains ballons. Par contre, les gars, Di Lorenzo, il est dans le mal, hein. Salut, Saladin, effrayant. Effrayant. Je te mets à bas de tempo parce que bon, c'est des trucs qu'on, voilà, on est normal ici. Mais bienvenue sur la chaîne, hein, à tout à l'heure. Je t'ai mis un petit tempo, frérot. Si jamais. Tétanisant, mais bienvenue sur la chaîne en tout cas. Oh, bien joué Pellegrini pour Di Marco qui a du champ. Di Marco qui va rentrer dans la surface de réparation. Le centre en retrait. Oh là là, il l'a trop mis en retrait. L'interception de Fabian Ruiz. Oh, c'est dommage. Ah, il peut mieux faire. Oh, il a fait un centre en retrait pourri. C'est dommage, il avait vraiment tout le champ là-dessus. C'était bien tenté en tout cas le. Enfin, c'était un très bon décalage. Fabian Ruiz qui va de l'avant. Rodri. Koukouré là qui va temporiser. Bon, ben, le Normand. Pour Carvajal. Carvajal, il a un peu envoyé le ballon n'importe où. Ça va quand même être récupéré par Robin le Normand. Ah, Morata qui a voulu dévier pour Pedri. C'est récupéré par les Italiens. Gros pressing quand même. Regardez, hein, Morata qui va aller jusqu'à Donnarumma. Pour le forcer à allonger. Didio Donnarumma, du coup, qui doit sauter la ligne. Et Robin le Normand, pour l'instant, il gagne tous ses duels aériens, même si là, c'est récupéré par Scamacca. Mais c'est tout de suite perdu, hein. C'est compliqué pour les Italiens d'enchaîner les passes. Après, on sait qu'en transition, ils peuvent faire très très mal, hein. Avec Chiesa en vitesse, ça peut faire des différences. Mais pour l'instant, on l'a que très peu vu l'excellent joueur italien, hein. On connaît tous la qualité de Chiesa. Premier 0 à 0 de l'Euro. Non, il n'y aura pas 0-0. Je pense pas. Il n'y aura pas 0-0. Tu verras. Pas ce match-là. Après, là, les Italiens, après avoir fait un début de match où ils pressaient, ils ont vraiment baissé le bloc, là. Viva l'Italia. Salut, Babic. Comment il va? Enfin, re. Re. Pedri a failli marquer, quand même, hein. Si Pedri l'aurait marqué de la tête, je peux vous dire, vous allez m'entendre. Enfin, vous m'auriez entendu. Allez, intervention de la porte, tête de la. Ouais, tête de la porte, c'est rendu à Barella. La passe en demi-volée. Ça manque de précision. Hein. Les Italiens, ils ont du mal à enchaîner les passes. Hein. Dès qu'ils récupèrent la première passe, ça va. La deuxième, c'est tout de suite plus compliqué. On l'a vu avec Barella, qui pourtant est pas le plus mauvais techniquement. Inch'Allah, il marque pas. Oh, une passe D, ça me va. Pour l'instant, c'est Nico Williams qui fait un vrai début de match. Même si on le voit un peu moins depuis tout à l'heure, mais waouh, les différences qu'il fait sur le côté, il est en train de faire passer une sale soirée à Di Lorenzo. Hein. Oh là là, les mauvaises relances, encore Di Marco qui rend le ballon directement aux Espagnols. C'est dur, hein. C'est très très dur. Pedri dans l'axe. Rodri. Pedri, il faut du mouvement. Ça manque de mouvement là devant. On voit Nico Williams et Morata côte à côte qui proposent pas grand-chose. Rodri qui va décaler Bric là pour tous les Espagnols sont dans le camp italien. Koukouré là. Et même Scamacca est très très bas. Hein. C'est une folie. Là, on a vraiment Catenaccio italien. Ils sont tous dans leur camp. Robin le Normand pour Lamine Yamal. Le très bon contrôle orienté de Lamine Yamal. Il va de l'avant. Yamal il élimine. Yamal le deuxième crochet. Oh, il est tombé. Alvaro Morata dans la surface. L'accélération. La frappe. Et l'arrêt de Didio Donnarumma. Dommage. Quelle action de Lamine Yamal, hein. Et la récupération, regardez tout de suite de Cucurella, très agressif. Hein. Les Espagnols sont clairement au-dessus pour l'instant dans ces 20 premières minutes. Quel contrôle orienté de Lamine Yamal. En fait, il a voulu sortir fort sur lui, Di Marco, mais il s'est fait enrhumer par le contrôle orienté. Quelle action individuelle de Yamal. Et il a pu trouver avec réussite Morata qui n'a pas pu concrétiser.
Mais c'est bien joué, hein, dit Joe. En tout cas, il est dans son match, le gardien parisien. Rodri, il est pas attaqué, c'est dangereux quand même. Hein. Il est en train de laisser jouer Rodri. Yamal, encore une fois, Yamal qui trouve Fabien de Ruiz, la bonne défense de Jorginho. Regardez le pressing. Même si Barella s'en sort bien, c'est très 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 dur, les gars, c'est une folie. Barella, encore. Le long ballon de Barella, bien joué Barella. Ah, ils ne sont pas entendus, Fratesi et puis Chiesa, Fabien de Ruiz, il peut frapper. La frappe lointaine. Oh, quelle claquette. Oh là là, Fabien, mais qu'est-ce qu'il a? Eh, c'est pas le Fabien du Paris Saint-Germain, les mecs, hein. Il a bouffé du lion, hein. Oh, il est aux 30 mètres, il a décoché une frappe. Quelle parade de Donnarumma, quel début de match des Espagnols, 25 minutes de grande classe. Oh, oh l'arrêt qui vient de nous sortir. Il va la chercher, hein. Ça, c'est un arrêt de grande classe. C'est pas un arrêt facile, hein. Elle vient fort, elle est sous la barre. Quelle parade, mais quelle frappe surtout. Corner joie de Nico Williams. Fabien Ruiz. Ah, Nico, il a été pris dans le... Ah, il n'était pas contre-pied. Ah, attention, la perte de balle. Là, ça peut aller très, très vite. Chiesa face à Pedri. Il va fixer, il va repiquer dans l'axe. Federico Chiesa qui tente la passe en profondeur pour... Oh, la très bonne défense encore de Cucurella. Heureusement, il y avait un bel appel de Fratesi dans l'axe. On va changer de côté. Barella qui va être face à Fabien Ruiz. On voit Di Marco qui se propose. Les Espagnols sont déjà tous revenus. Ouais, Barella qui met un mauvais centre. Il n'y a pas photo. Les deux Parisiens qui brillent exactement. Mais, hé, Fabien. Après, on va me dire, ouais, machin. Mais, Fraudevar. Est-ce que tu crois pas que c'est ce qu'on lui demande à Paris qui va pas? C'est quand même bizarre, là, de voir... Bon, je te dis pas, au-delà de sa frappe, il est quand même moins bon que contre la Croatie, pour l'instant. Mais, c'est quand même pas le même Fabien de Ruiz, hein. Il prend beaucoup plus de responsabilités dans ce milieu espagnol que ce qu'il prend à Paris, tu vois. Je te dis, avec le départ d'Mbappé, ça se trouve, tu vas avoir un meilleur Fabien de Ruiz l'année prochaine, hein. Cucurella avec Fabien Ruiz. Puis là, s'il maintient ce niveau-là, à côté de Rodri et Pedri, ça peut vraiment être un trio incroyable. Le Normand pour Carvajal. En tout cas, gros, gros, gros début de match des Espagnols. Hein. Les Italiens, pour l'instant, n'existent pas. Hein. Rodri, lointain, il tente sa frappe. Ça part. C'est bien, hein, les Espagnols qui tentent des frappes de loin, c'est pas commun. Ça se tente, en tout cas. Même s'il manquait d'élan là-dessus, c'est un peu trop écrasé, ça vient fuir le cadre, mais voilà, ça se tente. Ouais, long ballon. Scamacca qui dévide la tête, Cucurella qui couvre très très bien pour l'instant. Hein. J'étais surpris, hein. Voilà, on connaît tous la qualité de Grimaldo offensivement. Mais là, Cucurella, c'est vrai que défensivement, il fait un début de match. Vraiment, je kiffe. Le contrôle orienté de Nico Williams pour Alvaro Morata. Nico Williams encore. Allez, il va encore aller sûrement faire du mal à Di Lorenzo, je rappelle. Hein, pour l'instant, Di Lorenzo, il n'arrive pas à prendre la mesure de l'ailier de Bilbao. Hein. Fabien Ruiz, encore avec Nico. On voit l'aide de Fratesi. Nico, le centre. Oh, ils s'entendent pas, Donnarumma avec Caligiuri. Oh là 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 là, c'est laborieux pour sortir côté italien. Fratesi, ah, il est dans la sauce là, hein. Tête de Rodri, ah, c'est récupéré, Fabien Ruiz, ça récupère très très haut, Pedri, qui va accélérer, Lamine Yamal avec la réussite qui est trouvée sur le côté, Lamine Yamal face à Di Marco, il va aller le travailler, il rentre sur son pied gauche, la passe en retrait Fabien, oh bien joué Fabien Ruiz pour Dani Carvajal, la passe en retrait, et la frappe de Rodri, c'est contré, oh là là, quelle action, encore des Espagnols, me faites pas jurer, ils sont en train de faire un putain de match les mecs, hein. Gros pressing encore de Pedri, Di Marco qui va accélérer, il est un peu esselé, il a que ça à faire, hein, il obtient la faute. Quelle domination des Espagnols! Quelle domination les gars! En tout cas Fabien encore très très bien joué, hein, la passe pour Carvajal. Carvajal pour Rodri, c'était bien joué malheureusement, Rodri écrase un peu sa frappe. Ah, l'Italie, ils prennent très très cher. Hein. Il n'y a qu'une équipe sur le terrain les mecs, il faut se le dire. Hein. Là ils sont en souffrance, pour l'instant ils ne prêtent pas de but, tant qu'ils n'encaissent pas, ils sont encore là. Mais c'est très très dur pour l'instant. Après, on sait qu'en transition, en récupération, ils peuvent faire très très mal avec Chiesa. Mais pour l'instant, regardez, hein, c'est. J'ai pas l'impression de voir une grosse nation face à l'Espagne. Hein. C'est clairement rien, l'Italie. Rodri. Encore Lamine Yamal sur le côté. Yamal qui va aller fixer Di Marco. Ah, il a pas trop d'aide pour l'instant, Yamal. Là où Nico Williams a un peu plus d'aide avec Cucurella. Le Normand, Laporte, tous les Espagnols encore dans le camp adverse. Cucurella, côté gauche, très très haut.
La porte également très très haut. Il est quand même dans les 30 mètres. Hein. C'est une folie. Hein. Le bloc est très très haut côté espagnol. Regardez, ça leur permet de récupérer très haut. Ah, les Italiens, ils obtiennent des fautes intelligemment. Là, Bastoni, il plonge. Hein. Il est intelligent là-dessus. Regardez. Il a le sourire. Évidemment, il est très intelligent. Il y a une légère poussette de la part de Nico. Ça suffit pour obtenir la faute. Il se laisse tomber. Évidemment, l'intelligence du très grand défenseur de l'Inter Milan. On arrive à la demi-heure de jeu. Toujours 0 à 0 malgré tout. Hein. Jorginho, seul dans l'intervalle. Il va trouver sur le côté gauche Di Marco. Di Marco qui a du champ. Il n'est pas attaqué. Le changement d'aile une nouvelle fois. Ouais, Cucurella qui gagne encore son duel. Hein. C'est du grand niveau, Cucurella. Eh bah, Fabian Ruiz qui va encore gagner des mètres. Il va trouver Nico Williams. Nico Williams face à Di Lorenzo. Encore un duel pour ces deux joueurs. Fabian qui trouve Morata. C'est bien fait. Morata. La fin de Morata. Ah, il aurait dû ressortir, Morata. Il aurait dû être plus malin là-dessus. Bon geste défensif de Di Lorenzo. Et la faute de Morata. Les Espagnols sont beaucoup plus agressifs, en tout cas, que les Italiens. Il y a bien faute, hein. Mais Di Lorenzo, en tout cas, c'est très intelligemment obtenu. Il a mis le corps en opposition et c'est vrai que Morata a essayé de lui grimper dessus. Forcément, ça se sanctionne. Mais les gars, la première demi-heure des Espagnols, c'est vachement intéressant. Il manque juste le but, en fait. Di Marco, la bonne passe pour eux. Oh, c'est intelligemment fait. Aïe, 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 le gros tampon. Ouais, il faut siffler, là, même s'il n'y a pas faute. Hein. Il y a eu de la casse, là, Barella. Et... Ouais, je pense qu'il faut... Ouais, le Normand avec... c'est Chiesa? C'est qui? C'est Barella? Ouais, il y a eu un gros impact. Hein. Il n'y a pas faute. Hein. Les deux se sont tamponnés, mais... ouais, il faut arrêter le jeu, là, parce qu'il a fait un soleil. Hein. Barella, il a... Ouh, là, 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 là. Il a quand même fait un soleil. Hein. Ouf. Il aurait pu très mal retomber. L'équipe qui m'impressionne le plus depuis le début de l'Euro. J'ai pas pu voir le match Allemagne-Hongrie. Alors de ce que j'ai lu, c'était poussif. C'était beaucoup moins impressionnant. Les Hongrois ont fait un très bon match. Donc voilà. Après, attends, hein, le match n'est pas fini. Hein. Ils vont peut-être pas maintenir ce rythme-là tout le match. Hein. Là, ça fait 30 minutes. Ça va être compliqué de maintenir ce rythme-là jusqu'à la fin. On revoit la frappe lointaine de Fabian Ruiz. 28 mètres, 118 km/h. Elle est incroyable. Hein. Et la claquette de Donnarumma, elle est de justesse. L'Allemagne, on peut pas juger. Ils ont affronté Hongrie et Scotland. Ah, mais quand même. Pour moi, c'est pas rien. Une équipe comme l'Écosse, tu vois, elles ont... C'est une équipe qui a posé des problèmes à la Suisse, par exemple. C'est une équipe qui a pu poser des problèmes, notamment à l'Allemagne, sur les années récentes. La Hongrie, ils tapaient l'Allemagne il y a pas si longtemps, tu vois. Moi, en tout cas, je pense que les Espagnols, ils vont peut-être regretter les occasions manquées. Hein. Ils vont pas pouvoir maintenir ce rythme-là tout le match, j'en suis quasiment sûr. Pour moi, c'est peu probable. Il y a forcément un moment où ça va s'équilibrer. Les Italiens, pour l'instant, ils laissent le ballon, ils voient qu'ils sont dans une période creuse. Je pense que là, il faut que les Espagnols concrétisent la domination, sinon ils peuvent le regretter. Rodri. Brique la porte. C'est vrai que là, 30 premières minutes, s'il y avait 1-0 pour l'Espagne, ce serait... Un début de match parfait, quoi. Cucurella qui trouve Fabian Ruiz. Le contrôle orienté de Fabian Ruiz pour se défaire du pressing. Il va ressortir avec Cucurella. Emeric Laporte. J'aime beaucoup ce que propose Cucurella pour l'instant, hein, je vous jure. 7 tirs à 0. Et 62% de possession de balle pour les Espagnols. Là, ils avaient moins à la possession contre la Croatie. Allez, touche pour les Italiens, Di Lorenzo. Didio Calon, j'y rends le ballon aux Espagnols. Nico Williams, qu'on voit un petit peu moins sur le côté. Non, je sais pas s'il doit siffler là-dessus. Ça fait beaucoup de fautes et beaucoup de fautes qui sont un peu... Là, par exemple, je suis le... Est-ce que ça se siffle? Il prend le ballon, les gars. Après, d'accord, il touche le ventre, mais bon. Les Italiens obtiennent beaucoup de fautes, en tout cas intelligemment. Après, ouais, ça se siffle quand même, hein, mais... Franchement, il y a beaucoup plus d'agressivité côté espagnol.
Et encore un pressing collectif assez important des Espagnols. Ça va pas empêcher Jorginho d'allonger. Cucurella, tous ses diagonales, il les coupe, hein. C'est impressionnant. Toutes les longues balles, toutes les diagonales sur le côté de Cucurella, elles sont pour lui, hein. Nico Williams qui va arriver lancé face à Di Lorenzo. Ah, il doit y aller. Il a fait mal à chaque fois. Il doit y aller. Là, il recule, mais il doit y aller. Nico Williams, il faut qu'il aille fixer en un contre un Di Lorenzo. À chaque fois, il est passé, hein. Ah, il y avait un appel de Pedri. Il n'a pas été servi par le Normand. La porte. Le Normand encore. Dani Carvajal. Rodri pour Fabian Ruiz. La bonne passe appuyée pour Nico. Quel match, on dirait une finale de LDC. J'aime trop. Salut RZK. Bah, moi, je kiffe aussi pour l'instant, hein. C'est un bon 0-0 en fait. Même si, dommage, les Italiens ont un peu baissé le pied. Oh là là, Pedri qui est trouvé dans l'intervalle. Là, ça peut faire mal. Pedri. Pedri. Oh, il a tenté la passe décisive pour Morata. Il y avait une passe plus facile sur le côté de Nico, mais il va récupérer le ballon, Pedri. Nico Williams qui va rentrer intérieur sur son pied droit. La petite talonnade, il trouve Fabian. Ah, Fabian, il n'a pas levé son ballon. Mais c'est tout de suite récupéré par Rodri, hein. Ça, comment il va, RZK? Moi, en tout cas, aussi, je me régale. Je kiffe ce que proposent les Espagnols pour l'instant. Fabian Ruiz. Rodri. Moi, ça va, nickel, hein. Demain, c'est mon anniv. Demain, deux streams. Un le matin, un le soir pour France-Pays-Bas. Demain, j'ai 28 ans, bordel. Le match de l'Angleterre, j'ai pas du tout aimé. Alors, j'ai regardé que le début, j'ai pas vu. Oh là là, encore Nico. Oh Nico. 28 ans. Bah, en vrai, je m'en fous. Bon, j'approche la trentaine, c'est tétanisant, mais. Ça va, je le vis bien. Ça va, t'es encore jeune. Oui, non, bah, bien sûr. Regardez Nico, les gars. Pour l'instant, Nico, c'est le meilleur espagnol, je trouve. Contre la Croatie, il était timide, là, il m'impressionne. Je les ai eu en janvier. Ça se suit, moi j'ai 21. Moi les gars, je me régale parce que sur la chaîne, il y a tous les âges. Il y a des jeunes de 12 ans, il y a des anciens de 40 ans, il y a de tous les âges. Je me régale. Je kiffe, j'ai vraiment une commu où il y a tous les âges. Les 96 meilleures années, exactement. T'as tout dit, ma biche. Alors, ça va être tiré par qui là? Qu'est-ce qu'ils font les deux genoux là? Nico, Yamal, ils s'échangent de place deux fois. Ça sera le pied droit de Nico ou le pied gauche de Yamal? C'est le pied droit de Nico pour Fabian. La volée. Il a un peu mis trop en retrait. Non, plus. Un an de plus. C'est une 95. C'est une 95. Ah, salut Alicia, comment ça va? Allez, s'y mettre pour les Italiens. Bon, attaque, il va chercher très très haut. Pedri également. Califiori, le crochet à l'intérieur, attention. La passe le long du but. Là, je retrouve le Fabian de Paris. Ce sera la retraite avant toi. Effrayant, ça aussi. Barella. Après, la vérité, elle était dure, hein, Fraudevar, la frappe, hein. Non, pas encore, RZK. Le match de Fabian est très critique. Non, il n'est pas dégueulasse. Moins bon contre la Croatie, parce que contre la Croatie, il était fou, mais là, il fait un très bon match encore, hein, je suis désolé, hein. Il fait un très bon match, Fabian, encore, hein. Ouais, bon jaillissement de Robin Lenormand. Pedri, qui va trouver Lamine Yamal. Voilà, ouais, il est tout seul là-dessus, hein. Il est seul face à plusieurs Italiens. Oh là là, il s'en sort. Il s'en sort, le jeune Barcelonais. Fabian, tu prends Barça? Avec les milieux qu'on a actuellement, non. Oh, ce qu'il a fait Nico pour Pedri! Pedri, il a dit la passe pour Nico Williams! Oh, la bonne intervention défensive, la très bonne relance également. Oh, ce qu'il avait fait Nico, j'adore ce que propose Nico. Ah, encore une faute. Ah, il s'en sort. Les gars, il siffle beaucoup quand même, hein. Je sais pas si y a faute là, hein. Bah écoute, ça va nickel, hein. On se régale devant ce match. C'est incroyable la passe de Nico. Ah, mais Nico, je me régale. Ce que fait Nico, c'est du grand, grand, grand. Oh, les gars. Puis Pedri qui le retrouve, c'était tellement bien joué, mais il y a une très bonne défense de Bastoni, hein. Excellente défense de Bastoni parce que il aurait pu faire faute, mais il était très propre. On dirait Doku. Il a la dégaine un peu. Mais en vrai, Fraudevar, un Fabian Ruiz mis dans des bonnes dispositions comme là, c'est un bon joueur. Après, voilà, il va manquer de finesse technique quand même, tu vois.
Je préfère les milieux qu'on a au Barça. Tu me parles des gars comme De Jong, Pedri, Gundogan, Gavi, je préfère ces gars-là. Mais Fabian, c'est un joueur qui est très intéressant quand même. Dans un milieu à 3, accompagné d'une vraie sentinelle et d'un mec un peu plus créatif, comme là, je trouve que c'est un trio qui est complémentaire en fait. J'ai vu une rumeur comme quoi United est intéressé par Fermin. J'ai vu qu'il voulait un jeune du Barça, mais 30 millions, jamais le Barça le laissera partir à ce prix-là. Puis même, jamais le Barça le laissera partir tout court. Fermin, c'est trop fort. Faut garder. Allez, Rodri qui va aider Nico Williams sur le côté, le changement d'aile pour aller trouver Lamine Yamal. Yamal face à Di Marco, il va aller le travailler. La petite passe pour Dani Carvajal qui dédouble pour une fois, et la touche serait espagnole. Ça serait quand même intéressant qu'il y ait un but avant la mi-temps pour les Espagnols, ils le méritent. Hein. 40 minutes de qualité. Carvajal. Lamine Yamal qui va ressortir avec Fabian Ruiz. Rodri, vous courez là. Ouais, on va aller jusqu'à Unai Simon, les Italiens qui sortent un petit peu. Le ballon pour Carvajal, la tête à l'intérieur précise. Pedri, la fin de corps pour éliminer Jorginho. Le décalage pour Alvaro Morata. La fin de Morata. Conduite de balle compliquée. La frappe de Fabian Ruiz dans les gants de Gigio Donnarumma. Encore un tir cadré espagnol. C'est bien joué. Il doit la frapper. Hein. Il est face au jeu. Malheureusement, elle est trop axiale. Mais il doit la tenter. Calafiori. Qui doit ressortir avec Donnarumma. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. C'est dur d'aller trouver les milieux dans les intervalles. Donnarumma. Pour Di Marco. Jaillissement de Carvajal. La touche. Oh, la touche pour Pedri. Oh, il doit laisser jouer. Il arrête trop le jeu, l'arbitre. Pourquoi il a refait? Pedri, il avait été trouvé tout seul au milieu de terrain sur la touche. Pourquoi il l'a refait? Surtout qu'il y avait un deuxième ballon, mais ils l'ont sorti. Oh. Il siffle beaucoup cet arbitre. Il laisse pas beaucoup jouer. Ça arrange pas les Espagnols et ça arrange les Italiens sur ce début de. Bah, sur cette première mi-temps. Hein. Oh, bien joué le 1-2 de Lenormand avec Carvajal. Et Lenormand, il est passé. Bien joué. Il obtient la faute. Joli 1-2 en tout cas entre Robin Lenormand et Carvajal. Hein, Lenormand qui s'est permis une petite montée. On a du mal. Ah bah là les Italiens, pire que ça. Hein. C'est très très dur pour eux, mais il y a toujours 0-0. Donc voilà, hein, si l'Espagne resserre, enfin, desserre son étreinte, les Italiens pourront peut-être jouer un petit peu et pourquoi pas faire mal aux Espagnols. La mauvaise passe de Laporte. C'est une des premières passes ratées des Espagnols. Hein. Les gars, le meilleur Italien pour l'instant, c'est Donnarumma. Hein. Je vous jure, ça c'est effrayant. Le meilleur italien c'est Donnarumma. Récupération encore très haute des Espagnols. Ah, Pedri, mauvaise passe. Fratesi, récupération magnifique de Rodri. Allez, pour laisser l'avantage, je pense. Faute de Fratesi sur le Normand.
Pour la première mi-temps, franchement, les gars, mon top 3, c'est Nico Williams, Cucurella, et j'ai encore envie de dire Fabian. Hein. J'aime beaucoup ce que fait Fabian encore. Hein. Pour l'instant, c'est mes trois meilleurs sur cette première mi-temps. Italie. Bon, après, on pourrait mettre un Donnarumma. Hein. On peut mettre un Donnarumma dans le top 3 là, hein, sur la première mi-temps. On peut mettre Nico Williams, Cucurella et Donnarumma pour l'instant. Parce que franchement, ce que fait Donnarumma pour l'instant, c'est excellent en fait. C'est lui qui maintient les Italiens à 0-0. Hein. Rodri. Ah, Rodri, il a un peu trop feinté. Lamine Yamal qui va quand même récupérer le ballon. Ah, le petit ballon pour trouver Nico, c'est précis. Le contrôle de Nico, il est face à deux Italiens. Ça va être compliqué. Il a quand même failli trouver la passe pour Yamal. Barella. Scamacca pour Pellegrini. Il y a peut-être quelque chose à faire le long ballon. Eh, le joli jaillissement de Fabian Ruiz. Ça va quand même être récupéré par Barella qui décale sur le côté. Federico Chiesa, c'est maintenant pour les Italiens. Ils sont en onde. Chiesa, la frappe. C'est leur première frappe aux Italiens. 45e minute. Elle est totalement dévissée. Mais voilà. Bonne projection de la part des Italiens à la perte de balle espagnole. Ils ont bien jailli. Bonne sortie et bonne situation. Malheureusement, la frappe, elle est très très lointaine. Mais joli mouvement en tout cas des Italiens malgré tout sur cette transition. Après les gars, je me rappelle il y a 4 ans à l'Euro, l'Espagne c'était la seule équipe à avoir embêté cette équipe italienne, hein, le plus. Hein. Et au final, c'était quand même passé pour les Italiens. Premier tir italien, 45e, tétanisant, on est d'accord. C'est pas normal. Surtout que normalement, voilà. Ouais, il y a faute. Si, si. Là, je pense qu'il y a faute. Je pense qu'il y a faute, Chiesa. Elle est légère, mais pour moi, il y a faute. Il vient clairement le pousser dans le dos avec le coude. C'est sanctionnable. Ah, il met le coude dans la tête quand même. Mais c'est vrai que ouais, je m'attendais quand même à ce que l'Italien soit un peu meilleur. Que le ballon soit pour les Espagnols, ça me choque pas. Mais je me disais que les Italiens en transition, ils allaient se montrer dangereux. Ils allaient en 3-4 passes être dans la surface et puis pouvoir amener le danger. Ils l'ont fait qu'une fois. Hein. Ils l'ont fait qu'une fois, c'est à la 45e. Hein. Récupération, projection en 3-4 passes, frappe derrière. C'est la seule fois qu'ils l'ont fait, c'est à la 45e, quoi. Je pensais qu'ils le feraient beaucoup plus et qu'ils seraient beaucoup plus dangereux. Pedri, c'est perdu. Récupération italienne. Scamacca qui loupe sa passe. C'est dur, très très dur. Beaucoup trop de déchets techniques côté italien. Sur cette première mi-temps, le meilleur italien, c'est Donnarumma. Nico, bon jaillissement de Di Lorenzo. Jorginho, intelligemment, ouais, bien joué le. Combinaison italienne. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Je vous balance la pub. Je vous balance la pub. Je vais mettre un petit tweet et on va débriefer ça, les mecs. C'est beau. N'y a rien à débriefer. L'Italie s'est fait rouler dessus, mais toujours 0 à 0. Bah, disons qu'il y a toujours 0-0. Et ça, c'est important de le noter quand même. C'est important de le noter quand même. Mais pour l'instant, le meilleur italien, les gars, c'est le gardien. Hein. On va pas se mentir, hein. C'est Ciccio. Hein. C'est Donnarumma le meilleur. Hein. Donc les mecs, 0 à 0 dans cette première période. Énorme domination espagnole. Qui ne pour l'instant ne se reflète pas au tableau d'affichage, toujours 0 à 0. Il y a une multitude d'occasions.
Malheureusement, ça ne se concrétise pas. Pour l'instant, Donnarumma fait un excellent match. C'est le meilleur Italien pour le moment sur le terrain. J'ai rien d'autre à dire. Et en vrai, Moulfrid, t'as raison. Les Italiens, pour l'instant, ont une réussite, c'est au niveau de l'arbitrage. C'est vrai que l'arbitre a beaucoup tendance à siffler et à ne pas laisser jouer certains contacts. Certains arbitres laissent jouer. Ils sifflent tous les contacts et ça arrange bien les Italiens parce que justement, ils sont souvent. Bah c'est souvent eux qui obtiennent ces fautes-là. Mais les gars, la première mi-temps des Espagnols, si ils meneraient 1-0, elle serait parfaite. Bon, pour l'instant, elle n'est pas parfaite. On peut pas dire que la mi-temps espagnole est parfaite, ils ne mettent pas au score. Et ils pourraient avoir plus d'occases aussi dans la surface. Voilà. Mais ils sont sur une énorme domination. Ils sont clairement supérieurs aux Italiens. Les Italiens, pour l'instant, à part Donnarumma, j'en ai aucun à ressortir. Vraiment, il y a un déchet technique affolant. On voit pas assez les milieux de terrain qui sont pourtant bah, très intéressants. Hein. Quand tu as Jorginho Barella, tu as quand même des manieurs de ballon. On les voit que trop peu. Et côté espagnol, les gars, personnellement, j'ai beaucoup aimé Nico Williams. C'est le plus virevoltant. Cucurella défensivement impeccable. Toutes les diagonales, il les coupe. J'ai beaucoup aimé Cucurella. J'ai bien aimé Fabián Ruiz. Très intéressant ce qu'il propose. Après, ils sont tous bons, hein, mais voilà, les autres, on peut dire un petit peu en deçà. Yamal, pas mal aussi, il a sur une action fait un truc de fou, hein, sur son contrôle orienté, il a fait une accel, il a déposé tout le monde. Morata, c'est correct ce qu'il propose. Pedri, propre aussi techniquement, peut mieux faire, il manque cette petite passe clé, hein, il l'a tenté 2-3 fois, malheureusement, ça a été bien défendu, mais ouais, c'est ce que font les Espagnols, les gars, c'est parfait, hein. Unai Simon n'a rien eu à faire. Unai Simon n'a absolument rien eu à faire, les gars. Les Italiens ont un tir, il n'est pas cadré, quoi. Et côté italien, les gars, je suis désolé, le meilleur, c'est Donnarumma. Il fait un vrai match. Il a fait toutes les erreurs qu'il devait faire, quoi. Après, voilà, défensivement, ils tiennent quand même, hein. Genre, tu prends Bastoni, Calafiori, c'est correct. Par contre, les gars, je suis pas d'accord, la note que... Ils sont en train de mettre à Di Lorenzo. Comment Di Lorenzo peut avoir 7-7 alors qu'il a pris le bouillon toute la mi-temps? C'est une vraie question. Les gars, comment Di Lorenzo sur Flash Score il peut avoir 7,7? Le mec il s'est fait enrhumer 9 fois sur 10 face à Nico Williams. Ouah, je vois le masque d'Mbappé, les gars, effrayant. Je serais pas jouer avec un masque, moi. Genre, t'as le nez pété et tu joues pas, quoi. Ça doit tellement être handicapant en plus. En tout cas, hâte du début de la deuxième période, hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce que les Espagnols vont poursuivre leur domination? Ou est-ce que les Italiens vont prendre plus de risques, vont ressortir un petit peu? Pour moi, ça va dépendre de l'Espagne. Hein. Si l'Espagne réattaque fort et rejoue de la même manière, les Italiens vont rester bas et vont essayer de faire des transitions. Hein. Parce qu'en soi, un point, c'est pas un mauvais point. Hein. Un point n'est pas un mauvais point pour les Italiens. Hein. Ils sont surdominés. Tu prends un point, t'as 3 points d'avance sur la Croatie. Hein. Et les Croates, ils ont pris cher, hein, donc en différence de but, ils ont moins 3. Ça peut être jouable de jouer comme ça, les Italiens. Hein, parce qu'il y a peu de probabilités qu'ils se fassent sortir derrière, en fait. À moins que les Croates leur mettent une pilule, mais c'est peu probable. Donc, non, c'est... Sûrement pour ça qu'ils sont en train de tester, enfin de tenter de rester à 0, à 0-0, pardon. Hein. On verra. Mais c'est vrai que là, ouais, je suis pas d'accord. Di Lorenzo 7-7, les gars. Di Lorenzo, c'est 6, hein. Pas plus, hein. Et encore, hein. Sincèrement, il prend le bouillon à chaque fois face à Nico Williams. En vrai, les gars, quand tu vois, les gars, ce soir, t'as Espagne-Italie, demain, t'as Pays-Bas-France, c'est quand même la classe, hein. Là, on vibre, hein.
Dis gentiment. T'as pour l'instant, Omada, allez, hein, l'Espagne, ça serait bien que ils obtiennent un péno puis que Morata marque, ça serait bien. Et au revoir hein, Nico Williams les gars, et je comprends pas, Di Lorenzo il prend vraiment. Et Pedri, wow. La tête de Pedri, c'est vrai que Donnarumma il est sur la bonne trajectoire, mais il est bien placé. Hein. Il coulisse bien le long de son but et il la claque bien, hein, parce que s'il est mal placé, c'est but. Hein. Là on voit le travail de Yamal qui élimine trois joueurs, il va trouver Morata dans la surface. Et ouais, Morata qui bute sur Didio. Le grand Didio. Eh, Fabien Ruiz, les gars, ça frappe s'il la met. S'il la met. Parce qu'il a mis quand même une de ses sacoches aux 28 mètres, les gars. Ça critique un peu Yamal. Après, c'est vrai qu'on voit moins Yamal que ce qu'on a vu contre la Croatie. Ça, je suis un peu d'accord. On voit plus Nico Williams. Mais après, il fait quand même une bonne mi-temps, Yamal. Hein. Pouah là là, ce qu'il a mis. Oh, ce que fait Nico, les gars, en vrai. Pouah. Ouais, parle de Nico Williams. Après Williams, le gros bémol sur sa mi-temps, c'est son raté. Hein. Il a fait un énorme raté quand même. Hein. Sérieux, de la tête, il doit la mettre au fond. Hein. Mais ouais, là, ce qui. Dès qu'il accélère, en fait, il passe face à Di Lorenzo. Hein. Il y a le Barça qui est dessus, Nico Williams. Moi, je sais pas trop quoi en penser, mais c'est vrai que quand je vois le niveau qu'il a, genre là, un joueur de ce niveau-là au Barça, je prends. Hein. Allez, la pub. Je vous balance bientôt la pub avant le coup d'envoi de la deuxième période, les gars. J'en profite pour replacer, les gars. On est en OP, je rappelle. On est en OP en partenariat commercial, en collaboration commerciale avec Omada. N'hésitez pas à installer l'application. C'est épinglé dans le chat. Ça prend 2 minutes. Vous l'installez, vous rejoignez ma ligue fermée. Je fais gagner un maillot au vainqueur. C'est des paris sportifs, les gars, totalement gratuits. Et celui qui a le plus de points à la fin de l'Euro gagne un maillot. Donc n'hésitez pas. Ouah. Bon allez, je vous la balance, comme ça on est tranquille jusqu'à la fin. Ça va pas tarder à reprendre. Putain, il fait chaud là. Putain, il n'y avait pas gros soleil aujourd'hui, mais putain, il fait lourd là.
Effrayant, hein. Putain, Olivier Guégan, il va rentraîner en Ligue 2. Incroyable. Ah, oh, bordel. Level up pour Moulfrite. Magnifique. Qu'est-ce que ça dit un peu Twitter? Seulement de flex, montrer de flow votre emoji avec le masque de Kix. Incroyable. Re Alicia. Ah, changement. Changement pour les Italiens. L'entrée de Cristante, peut-être à la place de Pellegrini, hein, qui a eu un coup dès le début du match. Et quoi, Cristante? Sortie de Fratesi et Jorginho. Ok, donc non. Sortie de Fratesi, Jorginho, entrée de... Ouais, ok, Cambiasso et Cristante. Ok. Est-ce que ça va être une domination toujours importante de l'Espagne ou non? Je trouve un système pour que ça éclaire le cadre quand il fait nuit. Parce que là, vous voyez rien le cadre. Je vais essayer de trouver un système. Une lumière au-dessus qui l'éclaire. Samedi, c'est déjà mon anniv. Ah, bah moi, c'est demain, tu vois. Moi, c'est demain. Allez, on est reparti. Bonne deuxième période à tous. Lamine Yamal. Ouais, pour Pedri. Pedri pour Rodri. Ouais, il y a une faute sur Rodri. Ouais, là, je crois qu'il y a semé, là. Ouah, il vient de rentrer. Première... Oh, putain. Après, je crois qu'il met une semelle. Hein. Il met une bonne semelle, je crois. Ah oui. Ouais, y a Pissotto. Après, il prend pas la cheville quand même. Hein. Heureusement. Il vient de rentrer. Il prend direct le jaune. Après, la Rodri, il a l'air de souffrir. Hein. Mon grand-père et ma cousine, c'est dimanche. Putain. Vous êtes tous rassemblés, quoi. C'est bien. Putain, j'espère qu'il l'a pas blessé, les gars. Parce que Rodri, c'est pas le genre à faire du cinoche, hein. Là, attention, hein, ça peut être important. Hein. Il y a beaucoup d'Espagnols à l'échauffement. Oula. Les gars, il tient le genou. Hein. Oh, les gars, ça peut faire très très mal. Hein. Il a marché, il a bloqué la cheville. Et le genou a tapé dans le genou. Hein. Là, il peut vraiment lui avoir déboîté le genou, genre. Hein.
ça peut faire extrêmement mal. Hein. Il a mis la semelle sur le pied. Donc le pied, il est bloqué et il a mis le genou contre le genou. Il peut tout lui péter. Hein. En vrai, les gars, hein. C'est pas volontaire, mais ça peut faire extrêmement mal. Hein. Parce qu'en lui bloquant la cheville, en tapant comme ça dans le genou, il peut vraiment, les gars, là, ça peut être très grave. Hein. Et là, Rodri, il boite très très bas. Hein. En fait, il n'y a pas la cheville, hein, c'est le genou. Hein. Il a vraiment pris un gros tampon sur le genou. Hein. J'espère qu'il a rien parce que. J'espère que c'est qu'une béquille, entre guillemets, quoi. Parce que là, ça peut être. Ça va être frappé par la Minamal, le pied gauche. Ah, c'est tendu. C'est pas très bien tiré. Récupération de Nico Williams. Fabien Ruiz. Pour le coup, courez là. Ah, Rodri. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, Rodri, mais bon. Ah, la mauvaise passe de Carvajal pour Fabien Ruiz. Dommage, il avait. C'était bien tenté. Malheureusement, c'est pas précis. Et on voit le pressing tout de suite. Hein. On ressort sur Didio. Mais il y a un gros pressing de Morata pour obliger le dégagement. Scamacca, c'est très très dur pour lui. Hein. Il perd tous ses ballons. Hein. Il arrive à en garder aucun. Il essaie de jouer en déviation. Il ferait mieux d'essayer de les garder. Hein. Allez, Yamal qui va fixer. Lamine Yamal, il a tenté de trouver Pedri. Il va quand même récupérer le ballon. Yamal, ça revient sur Rodri. Le décalage pour Dani Carvajal, il a du champ. Le centre puissant, la tête de Di Marco. Il aurait peut-être dû tenter la passe pour. Il aurait peut-être dû tenter la passe pour Yamal en vrai. Avec corner pour les Espagnols, 49e minute. Ça va encore être le pied gauche de Lamine Yamal. C'est fou, 16 ans, il a déjà la responsabilité des coups de pied arrêtés quand même. C'est frappé au premier poteau. Robin Le Normand qui a failli dévier ce ballon. Le dégagement. Ça va revenir tranquillement pour les Espagnols. C'était bien en cours pour moi. C'est bientôt les vacances là en plus. Le long ballon de Pedri. Oh, très précis. Hein. Pour Lamine Yamal. Oh, le contrôle Yamal. Il a quand même le compte Favo. Non, mauvais contrôle. Mauvais contrôle de Lamine Yamal, c'est dommage parce que là, Pedri avait vraiment mis une bonne passe. Oh là 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 là, la mauvaise relance, Fabien Ruiz qui récupère. Oh la passe, oh il a tenté la passe laser pour Fabien, pour Nico, pardon, c'était bien joué. Fabien Ruiz encore. Le centre, tête de Calliofori. Putain, j'ai du mal. Calafiori. Robin Lenormand. Fabien Ruiz. Le décalage pour Cucurella. Allez, le long de la ligne. Pour Nico, il doit y aller. Bonne intervention de Di Lorenzo. Henrique Laporte. Rodri. Robin Lenormand pour Dani Carvajal. La passe très précise pour Pedri. Oh, Pedri qui élimine dans la surface. Ah, il fait un tour sur lui-même. Il est face à deux Italiens. Il joue avec Lamine Yamal, le crochet de Yamal. Le deuxième. Ah, bonne défense des Italiens. Oh, Scamacca. Il s'est défait du pressing. Premier bon ballon. Et très bon contrôle orienté de l'attaquant de Bergame. Et il tente la passe en profondeur. Dommage, ça manque de précision. Il avait quand même bien amené le ballon. C'est bien joué là, Scamacca. Sur cette action, il a bien joué le coup. C'est, je pense, sa meilleure action du match. Hein. C'est la première fois où il arrive à bonifier un ballon après 50 minutes de jeu. Fabien Ruiz, c'est vrai qu'il joue tout le temps en déviation et en fait il dévie tout le temps mal quoi. Ça suit pas assez et c'est tout le temps rendu quoi. Parce que quand t'as un grand attaquant comme lui, tu dois pouvoir t'appuyer sur lui sur des longs ballons. Allez Yamal, il doit faire plus de diff, il en est capable. Pedri, Rodri. Il laisse jouer Rodri les gars encore. Hein. Fabien Ruiz. La passe appuyée pour Nico Williams. Encore face à Di Lorenzo. Il va aller le travailler. Oh, la bonne passe pour Cucurella qui fait le bon appel. Oh, Pedri, non, il n'a pas le droit. Oh, il doit contrôler, Pedri. Oh, il doit contrôler. Oh, il doit contrôler. Pourquoi il contrôle pas, Pedri? Il est tout seul.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Il doit la contrôler 15 fois cette balle. On le connaît, il en est capable en plus. Il est tout seul. S'il fait un contrôle, il finit, c'est fini. Oh, c'est terrible. Oh là 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 là, la mauvaise passe de Bastoni, Fabien de Ruiz. Ouais, c'est contré, ça va revenir sur Nico qui va jouer avec Rodri. Rodri qui a pas pu trouver Lamine Yamal. Putain, mais Pedri, là, j'y en veux par contre, vraiment. Parce qu'il doit faire mieux. Hein. Il a le temps de contrôler, il est même pas attaqué. Hein. Il contrôle ses buts. Oh. Quelle action ils avaient refait. Hein. Allez, la porte très très haut, il y trouve Nico. Allez, Nico qui perd le ballon, mais c'est tout de suite récupéré. Il tente la passe en profondeur pour Pedri, c'est bien couvert par Bastoni. Ouais, ils sont à deux. Hein. Très gros pressing encore. Et c'est récupéré très très haut. Mais quel mi-temps encore, ils sont en train de nous pondre là. Quel début de mi-temps, pardon. Coucou là pour Fabian Ruiz. Ah, j'en veux à Pedri, les gars, je vous jure. Fabian pour Pedri. La frappe lointaine! C'est capté par Donnarumma. Putain, si Pedri il se met à frapper de loin, les gars. Bonne frappe de Pedri, puissante, malheureusement. Elle est beaucoup trop axiale. Aucun danger pour Donnarumma. Calafiori, bien joué. Il se défait du pressing de Yamal pour aller trouver Di Marco. Et le long ballon de Di Marco, il est précis pour Scamacca. Très très bonne couverture de Unai Simon. C'est très dur pour Scamacca. Hein. Allez, Rodri. Carvajal. Lamine Yamal. Il y a l'appel de Carvajal. Il va le trouver. Le 1-2, c'est beau. Ça manque de précision, mais c'est tout de suite récupéré. C'est une folie, hein. Qu'est-ce qu'il récupère? Oh. Nico. Crochet intérieur. Oh là là, crochet extérieur. Oh là là, il lui fait tout, hein. Le centre, la tête, la parade. Et le CC, le but. Ah, je suis mort. L'ouverture du score. Un but à zéro pour les Espagnols! Oh, c'est terrible! Le coup du sort pour les Italiens, il peut rien qu'à la Fiori, la vérité, c'est pas de sa faute. Dur, bah là, voilà, ouverture du score espagnol. Allez, franchement, c'est dur pour Calafiori, il y peut rien. Sincèrement, très très bon centre Nico Williams, qui est pour moi le meilleur espagnol pour l'instant. Il y peut pas grand-chose, Calafiori, là-dessus, les mecs. Hein. 1-0 pour l'Espagne, c'est totalement mérité, hein. Le très bon centre de Nico Williams, c'est Donnarumma, en fait, il met le ballon sur son défenseur. On voit la tête de Morata, claquette de Donnarumma, et ouais, c'est pas de bol, hein. C'est terrible. En vrai, j'ai mal pour Calafiori. J'ai mal pour Calafiori parce que là, il peut pas grand-chose, hein. Il subit le ballon, le pauvre. Oh, c'est terrible. C'est terrible, mais c'est totalement mérité, hein. C'est totalement mérité pour l'équipe d'Espagne qui, encore une fois... est parfaitement rentré dans sa deuxième période et voilà, il mérite l'ouverture du score, il n'y a rien à dire. Mais ça fait de la peine pour Calafiori qui fait pas une mauvaise mi-temps. Et là, le pauvre, il subit le ballon, ouais, c'est terrible. C'est terrible. Et voilà, ouverture du score pour l'Espagne totalement méritée. Et Lamine Yamal, là, il y a encore un coup à jouer, Yamal face à Pedri. Pedri. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Pedri, il est passé! Oh, il avait fait un double contact incroyable. Oh là là. Il était passé entre deux Italiens, il a malheureusement trop poussé son ballon. Oh, et en vrai, les gars, il y a quand même une classe d'écart entre les deux équipes, je m'y attendais vraiment pas. Hein. C'est pauvre techniquement, les côtés italiens, c'est... Oh, la bonne passe de Fabian pour Pedri. Nico Williams. Di Lorenzo, il n'ose pas sortir sur Nico Williams. Hein, il en a peur. Puis Fabian Ruiz, il se promène, les gars. Il pond une mi-temps. Encore là, il nous pond un début de match. Une heure de jeu. De haut niveau. Hein. Allez, Pedri qui résiste au pressing de Barella, la touche. Regardez Pedri.
Oh, le double contact qu'il a claqué. Si je... Oh là là. Si Pedri va au bout, il avait sorti un sacré double contact. Et je répète, j'adore ce Cucurella. Hein. Encore une fois, il est sur la lancée de sa première mi-temps. Il est très très bon. Voilà, les Italiens qui sortent beaucoup plus. Hein. Le point du match nul les a rangés. Ils vont être obligés, là, malheureusement, vu qu'ils sont menés, de sortir. Hein. Ils vont devoir tenter. Ah, bien joué, Fabien Ruiz. Intelligemment, qui trouve Pedri. Pedri pour Alvaro Morata. La frappe de Morata! Oh, la claquette de Donnarumma! Mais quel match ils font, les Espagnols! C'est un truc de fou! C'est l'équipe la plus impressionnante pour l'instant. Hein. Elle est un peu trop axiale, encore une fois. Hein, mais ouais, elle est très puissante. Ils n'hésitent pas à frapper de loin, les gars. Hein. On se rappelle, avant, l'Espagne, ça ronronnait, ça faisait des passes, ça essayait de rentrer dans le but. L'après-domination 2008, 2010, 2012, elle a été compliquée à digérer. Ils étaient beaucoup dans le stéréotype du jeu collectif. Mais là, maintenant, ils n'hésitent pas à frapper. Hein. Dès qu'ils ont la possibilité, ils long shot. Hein. On l'a vu, Pedri, Morata, Rodri, Fabien Ruiz, dès qu'ils peuvent, ils frappent. C'est intéressant ce qu'ils font. Le corner, Nico Williams. C'est bien frappé. Oh, la tête. Le dégagement sur sa ligne. Le sauvetage in extremis. C'était Robin Lenormand, je crois, qui était monté plus haut que tout le monde. Et Cucurella qui va ressortir tranquillement avec Unai Simon. L'Italie est en train de couler malgré tout. Il n'y a que 1-0. Ils vont essayer de sortir, c'est sûr. Ils vont tenter plus. Ils vont tenter plus. Ils vont devoir, en tout cas, aller chercher cette égalisation. On voit le corner très bien frappé. Et, ouais, Robin Lenormand, il gagne son duel. Il se fait un peu accrocher. Il y a coup dans le visage, mais... Il a gagné son duel et c'était au fond. Hein. S'il n'y a pas sauvetage sur la ligne, c'est but. Oh, Pedri, trouvé dans l'intervalle. Il va ressortir avec Robin Lenormand. J'ai pareil, Robin Lenormand, Emeric Laporte, c'est pas non plus voilà, l'assurance touriste, mais là, il gère le match parfaitement. Hein. Je les ai pas vus en difficulté une seule fois quasiment. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Unai Simon, pressing des Italiens. Ah, les Italiens sont beaucoup plus hauts. Hein, la ligne médiane. Allez, ils sont plus hauts. Mais là, attention, ils s'exposent. Hein, Carvajal, Pedri. Oh, bien joué. Fabian, Rodri. Techniquement, les gars, mais c'est. Rodri. Oh, il y avait un bel appel de Carvajal dans l'intervalle. Laporte. Robin Lenormand encore. Rodri, la bonne passe pour Fabian, le crochet de Fabian. Fabian Ruiz, j'adore. Lamine Yamal. Fabian Ruiz, Yamal encore. La frappe de Yamal. Oh là 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 là. Ça passe pas loin, est-ce que Donnarumma la touche? Quelle frappe il a claqué. Oh, elle était pleine. Oh, elle passe presque le... Oh les gars, elle frôle le poteau. Quelle frappe il a mis. Elle frôle le poteau, il a failli la mettre. Bon, Donnarumma semblait sur la trajectoire. Oh la frappasse. Il a failli mettre la même que Arda Güler. Hein. Bon, un peu plus fermé. Allez, bonne sortie italienne. Non, non, Carvajal qui est là. Carvajal qui est là, il trouve Yamal. Oh là là, Yamal il est passé face à Calafiori. Il est passé une deuxième fois. La couverture de Di Marco, il obtient le corner. Il y a corner, hein. Il y a corner. Oh, je pense qu'il y a corner. Di Marco, il tombe sur le ballon. Ah, pas sûr. Après, il y a peut-être faute de Yamal. Hein. Di Marco était passé devant. Ah, Yamal, attention. Les gars, on n'a pas beaucoup vu Yamal, mais vous avez vu, en deux clins d'œil, il a failli... Non, mais c'est fou. Oh, il y a une qualité. C'est... Wow. Oh là là, le pressing. Encore Pedri qui récupère très très haut. Oh, Morata, il a failli pouvoir servir Fabian. Ouais, bien joué la sortie italienne. Oh, bien. Cambiasso qui décale sur le côté. Ils attaquent à 4. Pellegrini face à Rodri. Pellegrini, la petite passe latérale pour aller trouver Cristante. Il y a du monde dans la surface, le centre de Cristante. C'est contré. Nico Williams qui n'arrive pas à dégager. Rodri qui récupère Pedri tranquillement au sol. Pedri qui ne panique jamais. La petite passe précise pour Lamine Yamal qui est seul contre tous. Il va devoir temporiser. Oula. Il a loupé sa talonnade, Yamal. Il a quand même pu trouver Pedri. Rodri qui va aller tranquillement trouver Cucurella. Je suis vraiment...
impressionné par l'équipe d'Espagne, hein, je vous le dis. Emeric Laporte. Allez, faut que les Italiens y aillent, hein, ils ont pas le choix, il reste 30 minutes, faut y aller maintenant. Hein. Faut monter le bloc encore, allez là. Hein. Même s'ils s'exposent, ils doivent. Ils doivent tenter, hein. Voilà, là ils sortent. Ils ont pas le choix, il faut tenter quelque chose. Voilà, vous voyez, là ils sont sortis, ils ont obligé Unai Simon à balancer, petite poussette sur Nico, ils obtiennent la touche. Faut les obliger, hein. Barrella. Bastoni pour Calafiori. Scamacca qui est revenu très très bas. Oh là là. Il obtient la faute avec réussite. C'est lui qui fait faute? Je crois que c'est lui qui fait faute sur Pedri. Alors est-ce qu'il a mis la semelle? Ah oui, oui, oui. Petite. Ouais, après. Ouais. C'est léger. Bah après, ouais, il lui met la semelle quand même, mais bon. Encore deux changements pour les Italiens. Retegui, Zaccani qui rentre. Sortie de Chiesa, franchement très déçu de la part de Chiesa. On en attend beaucoup plus les gars. C'est vraiment le meilleur joueur italien. Il a été transparent ce soir. Hein. Franchement très très déçu de son match. Scamacca qui sort également, il a rien pu faire. Voilà, là, Chiesa, Scamacca, c'est sec. Hein. Morata. Emeric Laporte qui va ressortir avec Unai Simon. Les Italiens qui sortent un peu. On essaie de les aspirer côté espagnol pour pouvoir mieux les trouver, enfin les contrer dans le dos. Emeric Laporte. La passe appuyée pour Nico Williams qui a tenté le petit pont. Boyan défendu de la part de Nicolas Barella. La passe sans profondeur. Au ballon normand dans les duels aériens. Il prend absolument tout. Fabian. Laporte. Rodri. Pedri. Enfin, c'est. Si vous aimez le foot, vous êtes obligé de bien apprécier ce qu'est en train de proposer l'Espagne. Franchement, ce que propose l'Espagne ce soir, c'est d'une propreté technique. Pedri, le Normand, Laporte. Ouais, Fabian qui élimine, fin de corps, il va trouver Morata, mais Fabian, mes frérots. Morata a tout le temps de traverser, il faut la décaler pour eux. Oh là là, pique-toi. Oh, il y avait une passe facile pour Yamal, il a loupé totalement Morata. Oh, il abuse. Oh, il abuse. Elle est facile, pourquoi il fait un exter pointu de merde? Il a juste à la claquer plat du pied, il était tout seul Yamal, il avait plus qu'à aller fixer en plus. Pour l'instant, les paris, c'est dur, hein, à part l'Espagne. Il n'y a pas eu de péno, Yamal pas décisive, Morata non plus. Fabian, ah, il avait l'appel de Nico. Oui, attention, perte de balle. Oh là, il y a danger. Perte de balle de Fabian Ruiz. Cristante, il y a du champ. Cristante, la passe devant le but. Oh, Retegui qui peut pas récupérer. C'est Pellegrini qui va saisir du ballon au deuxième poteau. Il y a du monde dans la surface. Hein. Il faut mettre un bon ballon dans la surface. Calafiori, ils sont très très hauts les Italiens sur cette phase de jeu. Bastoni, Di Lorenzo, Cristiente, Bastoni, tous les Italiens dans le coin d'Ers. Calafiori, il va trouver dans l'intervalle, bien joué. Ah, bonne interception de Fabian et Carvajal qui se projette avec la réussite. Morata, il a pas contrôlé Carvajal, c'est dommage. Ah ouais, l'Espagne joue vraiment bien. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Barella pour Di Marco. Bah ils ont un zéro. Ils ont un zéro. Après c'est un CSC quoi. C'est ça qui est fou avec la domination qu'ils ont.
Oh la bonne. Ah, j'allais dire la bonne passe, mais il faut un appel quoi. Si ça plonge, oui, mais là, c'est rendre le ballon aux Espagnols. Unai qui récupère tranquillement. Putain, il a le maillot noir, c'est. On dirait un ancien maillot que l'Espagne avait en 2014, les gars. Il est trop beau ce maillot. Le maillot d'Unai Simon. Nico. Pour Rodri. Rodri qui a déjà. Il a tout le temps de jouer, hein. C'est pas bien ce que font les Italiens. Il est... Oh là là, Pedri. Pedri, long ballon pour Nico. L'excellent contrôle. Oh là 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 là, Nico, ce qu'il fait encore. Face à Di Lorenzo. Il est passé encore. Il y a heureusement qu'il y a une prise à deux. Hein. Dégagement de la défense. Putain, c'est. Oh, mais quel enfer il est en train de vivre, Di Lorenzo. Bon, Nico, il commence à tirer la langue. Hein. Il commence à tirer la langue, Nico. Mais quel match il fait. C'est le meilleur espagnol. Hein. C'est lui qui provoque le CSC en plus. Et on revoit voilà, la récupération haute italienne. La passe devant le but, elle est bonne. Hein. Malheureusement, elle est un peu trop sur. C'est quoi? C'est qui? C'est Retegui? Elle est un peu trop sur lui, donc il peut pas récupérer. Mais c'était bien joué. Di Marco qui jaillit bien. Oh, la bonne passe pour retrouver justement Di Marco. Le Normand, Rodri. Oh, les Espagnols, ils sont vraiment agressifs défensivement. Faute de Le Normand, je pense que c'est carton. Ouais, il mérite son carton là-dessus. Il est venu bien balayer Zaccagni là. Zaccagni, je sais pas comment ça se dit. Il l'a bien balayé. Mais très gros match de Robin le Normand. Hein. Franchement, il prend tous les ballons aériens, il jaillit bien, même balle au pied. Hein, c'est vachement intéressant. Avec coup franc pour les Italiens. Pellegrini qui joue court. Ils auraient dû le mettre dans la boîte ce ballon, non? Barella. Ouais, ils auraient dû le mettre dans la boîte, c'est dommage. Ils sont obligés de ressortir avec Donnarumma, c'est dommage quand même, hein, ils avaient un coup franc dangereux. Bastoni. Ouais, bonne passe de Bastoni pour Calafiori. Allez, il y a un décalage à faire sur le côté gauche. Di Marco, le centre et le bon contre de Carvalho. Là, Di Marco, il fait une chandelle. Il va quand même trouver Calafiori. Oh, Cristante pour Di Marco. Ouais, bonne. Dès qu'il récupère le ballon, c'est propre. Hein. Ils n'ont pas de brouillard, les Espagnols. Hein. Ça combine bien, hein, c'est propre, regardez ça. Oh là là, Carvajal pour Fabian Ruiz. Rodri, et là il y a de l'espace, côté gauche, Koukouré là. Nico Williams qui va arriver encore une fois lancé face à Di Lorenzo. Il va aller rentrer à l'intérieur, la frappe. Oh là là, elle tape la barre, mais c'est pas possible. Quelle frappe de Nico Williams, mais quel classique il est en train de nous sortir. Oh la frappasse qu'il a mis. Oh là là, il a fracassé la barre. Elle était incroyable. Oh, elle mérite d'être au fond, les gars. Sérieux. Mais on nous prive d'un but exceptionnel. Elle tape la barre. Donnarumma a été battue. Elle était sous la barre. Elle était exceptionnelle. Malheureusement, elle fracasse la barre. Allez, deux changements côté espagnol. L'entrée. Alors, la sortie de Pedri et Yamal. Mes deux chouchous qui sortent, les gars. Donc, Lamine Yamal n'aura pas été décisive, malheureusement. Pedri qui a quand même fait une très bonne prestation. Yamal qui a fait une prestation correcte, sans être flamboyant. L'entrée de Ferran Torres et l'entrée de Baena au milieu de terrain. Les deux cracks barcelonais qui sortent. Baena, très bon joueur. Et puis Ferran, bon bah Ferran, il peut apporter hein, Ferran dans une fin de match comme ça, j'en suis convaincu. Il sera évidemment moins dans le déséquilibre qu'un Yamal dans la percussion, ça c'est sûr, mais voilà. C'est pas un mauvais joueur, Ferran, quand même. Donnarumma qui est pressé, il dégage sur Di Lorenzo. Ouais, franchement, Nico Williams, je suis dès qu'il n'est pas marqué, ça méritait. Hein. Cristante. Ouais, regardez le pressing encore. Realicia. Di Marco.
Passe appuyée pour Di Lorenzo. Allez, c'est un mec qui conserve un peu plus le ballon, mais il peine à trouver les décalages. Calafiori qui gagne du terrain. Di Marco. La passe. Faute de Lenormand. Ouais, attention. Ouais, il est en retard, hein, et heureusement, il a déjà pris jaune, attention. Faut qu'il soit malin, le Normand, hein, faut pas en refaire une autre, hein. Attention, je pense que la prochaine faute de ce genre, c'est rouge, hein. Coup franc extrêmement dangereux, hein. Très très bien placé. Est-ce qu'il va le frapper? Alors, en vrai, je pense que vu le peu d'occasions, il faut le frapper. Hein. Vu la position, de toute façon, ils ont mis un mini-mur, les Italiens, ils vont le taper, ils doivent le taper. Hein. C'est obligé. Je pense que ça sera le pied droit de Pellegrini. Et s'ils égalisaient là-dessus? Pellegrini! Ah, c'est pas cadré. Un bon mètre au-dessus de la cage d'Unai. C'est dommage, hein, c'est des munitions gâchées et ça monte très haut et ça redescend pas quoi. Dégagement d'Unai. Fabian, les gars. Cucurella. Fabian, il va encore être dans mes tops. Hein. La porte pour Rodri, Pedri. Alors, Donnarumma, les gars, il fait un match excellent. Donnarumma, il était exceptionnel. Malheureusement, il est quand même un peu fautif sur le but. Hein, parce qu'il loupe son intervention et il provoque le CC de Calafiori. Hein. Le CC de Calafiori, il est à cause de Donnarumma. Hein. Oh, Carvajal, bien joué. Carvajal, l'expérience de ce type. Laporte pour Cucurella. Nico Williams, contrôle orienté. Ben, bonne intervention de Di Lorenzo, capte la touche. Franchement, il faudrait un pénalty pour l'Espagne et but de Morata pour sauver mes pronos. Calafiori, Di Marco. Bonne intervention encore de Carvajal. Il reste un gros quart d'heure sans compter le temps additionnel dans ce match. Allez, bon retour de Nico. Je pense que je mettrai pas Donnarumma dans le top juste à cause de sa bourde. Hein. Il fait un match de malade, mais. Franchement, il est quand même fautif sur le but, le pauvre. Hein. Mais il aurait vraiment pu être dans le top 3 parce qu'il est. Oh, oh, la mauvaise relance! Oh, Nico Williams qui chippe ce ballon, Donnarumma, son jeu au pied, on le connaît. Hein. C'est laborieux. Nico pour Fabian. Oh, la prise de balle. Fabian, les gars. Il rejoue avec Nico. Fin de centre. Il va ressortir avec Cucurella. Fabian, Cucurella. Nico. Oh Nico. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, les gars, sur un match pareil de la part de ce joueur? Sincèrement. Le Normand pour Carvajal. Ferran Torres. Le centre, il est bon! Ouais, Morata qui a failli récupérer ce ballon. Ça va aller au deuxième. Ah, faute de Morata. La faute d'Alvaro Morata sur Di Lorenzo.
Bon centre de Ferran, hein. C'est un centre dangereux, ça. Ça rebondit devant le but. Et Morata qui a failli récupérer. Par contre, il n'y a jamais faute de Morata. Hein. Enfin. Ouais. Si Di Lorenzo il se laisse pas tomber derrière, il siffle pas faute, je pense. Hein. Allez, encore deux changements. Oyarzabal et Ayosé Pérez vont faire leur entrée. Nico Williams, le grand bonhomme de ce match qui sort. Et Alvaro Morata. Morata qui n'aura pas marqué pour mes paris Omada. Malheureusement. Je suis un peu deg. Et les gars, Nico Williams, hein. Franchement, il m'a impressionné ce soir. Il m'a impressionné ce soir. On revoit sa frappe, les gars. Mais quelle frappe il a failli mettre. Quel match il a fait. Pour moi, c'est l'homme du match. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, là, Nico, il m'a régalé. Allez, Donnarumma pour Calafiori. Marco. Petite poussette de Rodri. Oh, Retegui. Les gars, Retegui, il a une coupe de cheveux. Ça date des années. Début des années 2000, ça. Genre la crête jusqu'à là, avec du gel à l'arrière. Genre mettre du gel à l'arrière, c'est vraiment vieux ça. Allez, Di Marco. Son bon pied gauche. Ah, c'est pour Di Lorenzo. Ah, ça peine trop. C'est dommage. C'était bien, bien tiré, mais c'est un peu trop. Cucurella qui part à grandes enjambées. La passe, elle est précise. Pour Ferran Torres, le crochet de Ferran, il a contre Favo. Non, c'est récupéré par les Italiens. Oh, les gars, 16 tirs à 2. 16 tirs à 2, bordel. C'est un scandale, le match. Zéro tir cadré pour les Italiens. Je sais pas si on se rend compte. C'est les champions en titre. Di Lorenzo. Ouais, mauvais contrôle, bonne défense d'Ayosé. Ah, on est vraiment sur des joueurs de couloir. Hein. Il aime ce... C'est bien, ça change aussi. C'est ce côté espagnol. On avait l'habitude des joueurs de ballon. Pas d'ailier. Là, on est vraiment sur des joueurs de couloir. Hein. En faisant rentrer Ayosé Pérez, Ferran. Même si Ferran, c'est un ailier. Pas pur ailier, entre guillemets, mais. C'est intéressant. Putain, il fait pas rentrer Fermin. Il pourrait mettre Fermin en vrai. Là, il met Alex Baena. Il pourrait mettre Fermin Lopez. Hein. Marco. Non, je suis pas sûr qu'il y ait faute. Carvara, il a bien. Oh, Baena, il a de l'espace. Le bon contrôle pour se mettre dans la sens de la marche. Il va décaler. Ayosé Pérez. Ayosé, en bout de course, il va obtenir le corner. Normalement, c'est corner. Bon, c'était pas très clair dans son dribble, mais il a quand même pu frapper et c'est contré par Di Lorenzo. Il reste 10 minutes dans le temps réglementaire, les gars. Alex Baena qui joue court. Ferran Torres. Oh, le bon centre de Ferran au deuxième. La tête d'Emeric Laporte n'est pas cadrée. Encore un tir, les gars, pour les Espagnols. C'est dingue, il n'y a que 1-0. C'est une dinguerie. Ah, il enlève presque le ballon à Rodri. C'est dommage, ils doivent se parler, là. Sortie de Pellegrini, entrée de Raspadori. Là, on tente le tout pour le tout. Hein. Ils doivent essayer d'aller chercher cette égalisation. Hein. Une égalisation italienne, ça les qualifie quasiment. Hein. Parce que là, en gros, ils joueront leur qualif contre la Croatie. Hein. Ça va être un match passionnant. Hein. Je vous le dis, hein, le Croatie-Italie va être passionnant si ça on en reste là. Parce que les Italiens, ils pourront se faire éliminer par la Croatie, en fait. Et la Croatie pourront aller chercher leur qualif. Alors que si un match nul, les Italiens sont quasiment qualifiés, en fait. Parce qu'ils auraient 4 points. La Croatie, un seul. Et avec une différence de but de moins 3. Là où les Italiens, ils ont plus 1. Si, à match nul, je dis bien. Ah, le long ballon. Nice Simon, encore. Toujours très très haut, Nice Simon, pour couvrir la profondeur.
J'adore le maillot qu'il a. Et j'adore le maillot gardien espagnol. Il fait penser en fait au maillot joueur de 2014. Sauf qu'il n'y avait pas le rouge. Mais le noir, flocage jaune, j'adore. Unai qui temporise. Rodri. Fabian. Ouais, Cucurella, il obtient là, non? Ah, c'est pas sifflé. Pour moi, il y avait une légère obstruction, hein. Bastoni, la passe à l'intérieur, bien joué. La transversale sur le côté. Partie poitrine. Ah, Cucurella, elle aurait pu intervenir là-dessus. Ah, mauvaise prise de balai, ouais. Bon retour d'Ayosé Pérez. Oh, Ayosé, bien joué. Ah, il en a un peu trop fait, il aurait dû lâcher. Di Marco qui est trouvé côté gauche. Le seum de perdre sur un CC n'empêche. Ouais, mais bon, quand tu vois le nombre de cas, moi je trouve que c'est incroyable que les Espagnols aient pas mis un but en fait. Franchement, c'est une domination juste. Oh, il y a quand même 18 tirs. Hein. Si on rajoute le tir de Bayouzé et la tête de Laporte, on a 18 tirs à 2. Oh, 18 tirs à 2. Zéro tir cadré côté italien, il n'y a qu'un zéro. Et c'est un CC, on est sur une dinguerie. Oh, le retour, il n'y a pas faute. Il n'y a jamais faute. C'est pas le meilleur arbitre que j'ai vu depuis le début de l'Euro. Hein. D'où il y a faute? Non mais les gars. Lorenzo passe à l'intérieur. Christente qui écarte. Cambiasso qui ressort avec Bastoni. La prise de balle pour aller de l'avant. Ouais, il va aller trouver Di Marco face à Dani Carvajal. En un contre un, Di Marco. Ah, la main, elle est loin du corps, en vrai. La touche. Bah, c'est dur de siffler ça. On ressort. Le centre, la déviation. Attention à pas faire d'erreur côté espagnol. Corner. Corner pour les Italiens. Et si ils arrachaient l'égalisation là-dessus? Si l'Italie créait la sensation en allant chercher l'égalisation. Ça va être frappé par le pied droit de Raspadori qui vient de rentrer. Et là, il y a de la taille côté italien. Qu'est-ce que ça? Ça dit, ça piaille, hein. Bon, l'arbitre qui met de l'ordre là, il y a beaucoup de jeux de main. J'espère que ça va pas finir en pénalty ces conneries. Retegui qui bouscule le Normand. En fait, Retegui fait un bloc pour protéger Bastoni. C'est frappé, la déviation. On a Simon qui capte tranquillement le ballon. Cucurella, Laporte, Unai. Carvajal, eh, Baïna qui dévie. Oh, c'est bien joué avec Ferran, l'une, deux. Ah, perte de balle, attention. Ah, j'aurais presque mis. Moi, j'aurais bien aimé voir. Fermín, hein. T'enlèves Pedri, tu mets Fermín, ça serait intéressant. En termes d'agressivité, Fermín, il est bon. Cambiasso. Calafiori.
Ouais, le bon jaillissement de Ferran, mais il a le contre favorable de Zaccagni. Zaccagni qui va fixer. Là, le 1-2, bien joué, il est dans la surface, pas de faute, attention. Ouais, le bon retour de Fabian, quel match il fait encore. Oh, la porte, attention, Cucurella qui dégage. Il reste 3 minutes dans le temps dit réglementaire, j'ai du mal. Ils ont un peu plus de mal à garder le ballon, les Espagnols, sur cette fin de match. Bastoni, Calafiori sur le côté gauche. On ressort avec Barella. Oh, le contrôle, il est mauvais. Christente, il fait un très mauvais contrôle. Et derrière, il fait faute sur Oyarzabal. Très mauvais contrôle. Si le score reste comme ça, vu que contre l'Albanie, le match n'aura plus d'enjeu, il faudra je les garder les titulaires en forme pour le 8e. Bah, en vrai, c'est ce qu'il faut faire. Après, ouais, non, si, c'est. C'est vrai que reposer. Bah, attention, je crois que Rodri sera suspendu. Fabian, il faudrait le reposer, parce que là, ce qu'il fait, c'est fort. Pedri, pareil, hein, faut le protéger. C'est bien de le sortir, hein, je trouve, de ne pas le faire jouer les 90 minutes. Ce qui donne beaucoup, et j'ai pas envie qu'il se répète. Tu peux mettre Fermín López à sa place. Ouya. Oh, Retegui, là, il laisse un peu traîner. Hein. Bon, Carvajal, il y va à l'expérience, on le connaît. Hein. Ça, c'est de l'intox. Mais je crois que Retegui laisse un peu traîner, même si c'est pas forcément volontaire. Je crois qu'il a un petit geste. Il y a un coup d'épaule sur le Normand. Il tombe et. Ah non, ça va, non, non. Allez, on joue court. On va bientôt rentrer dans le temps additionnel. Bastoni, il a vu l'appel de Di Marco. Et la tête de Dani Carvajal pour Rodri. Ah, la passe un peu longue. Ah, Rodri, il est sec. Hein. Rodri, là, il est cuit. Hein. Le ballon dans la surface. Unai qui laisse sortir, 6 mètres. Et on va rentrer dans le temps additionnel. Dès que c'est terminé, je vous balance la pub et on va. 4 minutes, les gars, encore. Et puis on va débriefer ça. Hein. Ouais, Carvajal, il a pris une petite semelle. Après, bon, il n'y a pas grand-chose, on va dire. Les gars, le Italie-Croatie va valoir des points. Hein. En vrai, respect, hein. L'Espagne, ils ont quand même. Si ça en reste là, ils ont retapé les deux gros du groupe, quoi. Oh, bien joué la déviation. Baena, attends pour Ferran, ça est un peu trop long le Ferran. Ouais, le centre est pas terrible. Récupération haute quand même des Espagnols. Cucurella pour Ayoze Pérez. Ah, Ayoze va aller temporiser sur le côté. Oh, le petit pont, il est passé à Ayoze. Ayoze Pérez, il a rien temporisé là. Oh, la parade de Donnarumma encore. La parade de Donnarumma, superbe action individuelle d'Ayoze Pérez. Hein. Il a tiré fort à terre et Donnarumma qui s'est couché très très vite. Oh là là, Cucurella, il a mis le petit point comme. Eh, c'est les gars, mais c'est n'importe quoi. Oh, on a l'impression, les gars, c'est. Il y a trois classes d'écart entre les deux équipes. Hein. Le petit pont qui s'est mangé, Cambiasso, là. Et on revoit Ayoze Pérez, hein, mais. Les gars, dit Lorenzo, nul à chier ce soir. Hein. Je suis désolé des termes. Hein. Je suis désolé si c'est des supporters du Napoli, mais. Dit Lorenzo, nul à chier. Il a pris le bouillon tout le match. Comment il part 7,3, c'est le meilleur italien. Il a pris le bouillon tout le match. Fabian. Oh, la bonne passe. Encore une fois, il s'est troué. Ayoze Pérez. Oh, l'arrêt de Donnarumma encore. Mais quel match il est en train de faire. Quelle parade de Didio Donnarumma face à Ayoze Pérez.
Incroyable cet arrêt. Il est exceptionnel. On est sur la meilleure performance de gardien depuis ce début de l'Euro. Je pèse mes mots, hein. On est sur la meilleure performance de gardien depuis le début de l'Euro. Je pense qu'il va quand même être dans le top 3, Donna. Je vais le mettre dans le top 3, j'ai pas le choix. Il est exceptionnel. Il devrait y avoir 3-4-0, les gars, hein, s'il n'y a pas un grand Donnarumma. Hein. Eh, Cucurella, magnifique. Ayosé, encore une fois. Voilà. Non, mais Di Lorenzo, les gars, il est où? Il se fait pocket tout le long. Là encore, il s'est jeté. Non, mais. Les gars, Di Lorenzo, je suis désolé, c'est mon gros flop du match. Ah, des crampes pour Fabian. Les Italiens qui sont pas contents, mais les gars, à doser, hein. Quand vous voyez le match que vous êtes en train de subir, normal que les Espagnols aient des crampes, hein. Eux, ils jouent au foot, hein. Ah, Di Lorenzo, mais quel bouillon il prend. Les gars, comparez le match défensif de Di Lorenzo à celui de Cucurella. Il faut se mouiller la nuque. Cucurella, il pond une masterclass défensive. Et Di Lorenzo, il pond une merde. Mais vraiment une merde. Allez, la sortie de Fabian Ruiz, l'entrée de Mikel Merino. Il aurait presque pu le faire avant ce changement. Enfin, je pense que c'est Fabian qui va sortir. Ouais, c'est Fabian, c'est logique. Excellent Fabian Ruiz. Moi, bon, les gars, je l'ai déjà mon top 3. Les Italiens font énormément de fautes. Au début, c'était les Espagnols, pas des grosses fautes, mais plus des fautes parce qu'ils étaient plus agressifs. Les Italiens sont moins agressifs que les Espagnols ce soir. Hein. Les gars, Fabian, je vous le dis, il est dans mon top 3. Hein. Il sera pas numéro 1, mais il a encore fait un match excellent. Long ballon d'Emeric Laporte. Oh, il est précis pour. Non, bonne tête de Calafiori. Barella. C'est sûrement la dernière action. Bastoni pour. Zaccagni, il est face à Carvajal. Il y a le retour de Ferran également. La poussette de Carvajal. On laisse l'avantage. Bastoni. Cambiasso. Et si c'était maintenant? Cambiasso qui rentre sur son pied gauche. Il faut mettre un ballon dans la surface. Il faut lever son ballon. Cambiasso. Barella, amorti poitrine. Barella, tête de Cucurella, Ayosé pour Baïna. Voilà, bien joué. Oh, Yarzabal, il faut lui parler. Il n'a pas vu le retour. Il aurait pu lancer en profondeur Ferran en plus. Dernière chance pour les Italiens. Le centre de Zaccagni, la remise. Et la tête d'Emeric Laporte. Corner, les gars. Carton jaune pour Carvajal qui a fait une faute un petit peu en retardement tout à l'heure. C'est la DR! C'est la DR! Corner pour Cambiasso. Est-ce que Didio va monter? Si Didio il monte, il marque, c'est lui l'homme du match. Je crois pas qu'il va monter. Ah si! Didio il est dans la surface. Si Didio il marque, c'est l'homme du match, hein, j'annonce. Il y a un monde où ils égalisent. Hein. Oh l'arbitre. Allez, le corner, c'est frappé rentrant, c'est bien frappé. La tête, ça va revenir sur Cambiasso. Il est face à José Pérez, le crochet, le deuxième centre, il est un peu long. La tête dans la boîte, et Rodrigue écarte. La volée de Calafiori, ça sort en 6 mètres. Ça sort en 6 mètres et on va sûrement se diriger sur la fin du match. Et c'est sifflé, victoire espagnole impressionnante malgré le score étriqué de 1 but à 0. Je balance la pub et on va débriefer ça. Grosse performance des Espagnols, ils m'ont impressionné. Les Espagnols s'assurent la première place sur ce match. Alors les Italiens. Les gars, le Italie-Croatie, bah, celui-là. Le Italie-Croatie va valoir le détour. Hein.
On va débriefer ça. Et on va faire le top 3, les gars. N'hésitez pas à me dire votre top 3 des meilleurs. Alors, Flash Score, il nomme Pedri homme du match. C'est pas pour me déplaire, j'adore Pedri, mais bon, pour moi, c'est pas Pedri l'homme du match. Hein. Je vais même pas le mettre dans mon top 3. Même s'il a fait un très bon match, Pedri. Hein. De toute façon, là, les Espagnols, j'en vois aucun mauvais. Hein. Même Morata, il fait son match. Hein. Même Morata, il fait son match. Hein. Allez, fin de la pub. Les gars, débrief rapide. Hein. La deuxième mi-temps, elle a été quasiment comme la première. Je suis désolé, on a vu qu'une équipe sur le terrain. Sincèrement, le meilleur joueur italien, c'est Gigio Donnarumma. Il n'y a aucun débat. Malheureusement, il est fautif sur le but. On ne peut pas y enlever. Il fait une intervention pas sereine et il met le ballon sur Calafiori qui finit au fond. Mais le match de Donnarumma. Il est extraordinaire. Fraude VAR. Je vais dire les termes. On est, depuis le début de l'Euro, sur la meilleure performance de gardien. J'ai pas regardé tous les matchs, mais on est sur la meilleure performance de gardien depuis le début de l'Euro. Voilà. Malgré l'erreur, parce que pour moi, il fait quand même une erreur, c'est la meilleure performance de gardien. Je pense qu'on est tous d'accord. Donc, côté espagnol, il n'y a pas de flop. Aucun espagnol est passé à côté de son match. Je vais vous dire mon top 3, hein. Je vais vous le dire cash. Je mets Nico Williams du match. Je mets Fabian Ruiz derrière. Et je mets Donnarumma en 3. Je suis obligé de mettre Donnarumma. Et j'aurais envie de mettre Pedri. Parce qu'il fait un très bon match. Ou de mettre Cucurella. J'ai adoré Cucurella. Mais je me dois de mettre Donnarumma. Sincèrement. Alors, il a fait une grosse erreur. Mais s'il aurait pas fait les 2-3 gros arrêts qui ont suivi à la fin de match, je l'aurais pas mis dans le top 3 juste pour le principe. Mais je suis obligé de le mettre. Et les gars, il fait un match extraordinaire. Genre, là, Gigio, c'est une folie son match. Hein. Mais ouais, côté espagnol, les gars, qu'est-ce qu'il y a à redire? Le Normand, il était impérial dans les airs. Ils ont presque pas été emmerdés, le Normand Laporte. Cucurella. Les gars, je veux mettre une mention à Cucurella. Défensivement, les gars. Faites un comparatif entre Cucurella et Di Lorenzo, faut se mouiller la nuque. Hein. Je suis désolé, je suis pas d'accord avec les notes de Flash Score. Di Lorenzo, c'est quasiment le meilleur italien. Pour moi, c'était le pire. Il a vécu un enfer. Il a perdu tous ses duels face à Nico Williams. Et quand Nico il est sorti et qu'Ayoze Pérez est rentré, Ayoze Pérez y a mis le bouillon. Donc personnellement, je ne comprends pas pourquoi on met une telle note à Di Lorenzo. Hein. Il a vécu une soirée cauchemardesque. Et puis ouais, côté espagnol, les gars, Cucurella, j'ai adoré. J'ai adoré. Défensivement, impérial. Toutes les longues balles, il les avait. Enfin bref, parfait. Carvajal. Carvajal, c'est intéressant parce qu'il est bon balle au pied aussi. Très bonne qualité de passe. Techniquement, voilà, c'est propre. Défensivement, il est très solide. Il est vicieux également, hein, on le connaît. Le trio milieu de terrain, les gars. C'est comme contre la Croatie, c'est régalade. Rodri, fait du Rodri, ils sont extraordinaires. Pedri, fait un super match. Fabian Ruiz, les gars. Le Paris Saint-Germain, ils doivent être en train de se frotter les yeux puis de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Morata, correct. Lamine Yamal, très intéressant. Et Nico Williams, homme du match. Et côté italien, compliqué, les gars. Alors, Bastoni, Calafiori, ils ont fait un match correct dans l'axe. Di Marco, je l'ai trouvé mieux que Di Lorenzo. Jorginho, Barella, on les a pas assez vus, ils ont beaucoup trop souffert. Et devant, les gars, c'est le néant. C'est le néant. Scamacca. Il a dû gagner, il a dû garder deux ballons. Scamacca, il a dû garder deux ballons. À chaque fois, il joue en déviation, il perdait tout. Chiesa, qui est censé être le meilleur italien, on l'a pas vu du match. Genre, je pense que Chiesa, on est sur le flop. Hein. Parce que Chiesa, je répète, c'est le meilleur joueur italien. Ça a presque été le pire ce soir. Par contre, les gars, Di Lorenzo. Hein. Di Lorenzo, Chiesa, c'est flop. Escamaca. Pour moi, il y a trois flops côté italien, vrai flop.
C'est Scamaca, Chiesa, dit Lorenzo. Je suis désolé, dit Lorenzo, les gars. Il a pris le bouillon tout le long de A à Z. Hein. Donc moi, mon top 3, je vous le dis. Homme du match. Nico Williams, évidemment. Derrière. Fabien Ruiz. Et en 3, je suis obligé. Ça me fait presque chier de mettre un Italien vu le match mauvais, mais Donnarumma, il est extraordinaire. Donnarumma, je le mets dans mon top 3, je suis obligé, parce que franchement, les gars. Oh, Donnarumma, quoi. Sans Donnarumma, il y a 3-0 minimum. Franchement. Hein. Voilà mon top 3. Et franchement, je suis impressionné par les Espagnols. C'est l'équipe qui m'a le plus impressionné. Et franchement, faire deux victoires comme ça, dans ce groupe-là, c'est pas rien, les gars. Gagner deux matchs contre la Croatie et l'Italie dans ce groupe de la mort, ça force le respect. C'est tout ce que j'ai à dire. Ils vont pouvoir gérer tranquillement contre l'Albanie. Là où les Italiens et les Croates vont avoir un match difficile, ils vont jouer leur calibre tout simplement. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à me dire votre top 3 si vous n'êtes pas d'accord. Mais là, bon, je pense que ça va tourner. Voilà, hein. Flashcore, il met de Pedri. Pedri, il pourrait être dans le top 3, mais pas dans les meilleurs non plus, quoi. On va terminer par un raid, les gars. On va terminer par un raid. Restez présents, je vous envoie chez le GOAT. Même si on n'est pas beaucoup, c'est pas grave. Je vous envoie chez le GOAT. Putain, j'ai chaud, je vais aller à la douche. Je crève de chaud. Je vous envoie chez Ravus. Et on se retrouve demain, les gars, pour deux lives. Demain, c'est mon anniv. On va live le matin sur FIFA. Et on livera le soir sur le match entre les Pays-Bas et l'équipe de France. Bonne soirée à tous, à demain. Ciao, ciao. Et merci de votre présence. Bye, bye.